contribuer à notre développement que si nous les prenons comme des opportunités de corriger nos erreurs et surtout d'acquérir la sagesse. Bonsoir à tous et bienvenue sur Tatapu. C'est une nouvelle saison que la vie nous donne de commencer ensemble. Nous sommes très heureux et nous vous remercions pour tout le soutien que vous nous avez apporté pendant la saison 1, la saison 2. Et là, nous vous promettons que du meilleur pendant la saison 3. Et c'est pour ça que nous sommes allés chercher pour vous un invité que vous allez découvrir aujourd'hui. C'est une pépite. Nous sommes allés dans les stades de football pour vous le trouver. Mais avant, vous savez qu'il faut faire venir ici toute l'équipe. Et bien sûr, on a Dominique. Remember, every time we promise to give you nothing but just the best. This season is reserved for you with motivation, inspiration, and lots of food. So stay connected and keep it. Stay connected, elle a raison parce qu'on ne peut pas en dire plus. Ah, on ne peut pas en dire plus. Chers téléspectateurs, une ambiance électrique ce soir. Préparez-vous à vous faire capturer dans nos filets parce que l'ambiance ce soir, je ne vous en dis pas plus. Ah oui, parce qu'il y a des griffes dans les couloirs. Oui, oui, c'est une nouvelle saison. Mes chers téléspectateurs, je tenais à vous remercier tout ce que vous avez fait pour nous pendant la saison 2. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et si nous voulons évoluer, c'est grâce à vous. Continuez de nous soutenir et nous aimer en bien ça. Ce soir, nous recevons un jeune. Le gars, il est très fort, il est technique, il est rapide. Il a une ascension vraiment fulgurante. Au point où on l'identifie déjà, c'est un grand nom du football africain. On ne va pas citer. Les années 90. Chers téléspectateurs, c'est très simple. Vous voulez en savoir. Si vous voulez en savoir plus, autant pour moi, c'est notre invité. Restez connectés, laissez-vous bercer par cette magnifique équipe. Oh, magnifique équipe qui est encore là pour cette saison avec un invité. Talentueux et héroïque, dans le patriotisme n'a d'égal que le courage et la persévérance qui le caractérise. Voulez-vous savoir de quoi sont faites ces griffes? Alors, ne quittez pas. Ne quittez pas, vous vous rendez compte que la saison 3 va être très très chaude avec des invités tout à fait particuliers. On espère que vous vous êtes prêts, on le souhaite en tout cas. Nous ici nous sommes prêts. On va donc tous partir pour Tatapu. Rejoignez la communauté Catapult sur la page Facebook de Catapult. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapult. Oui, pour cette nouvelle saison, le menu a connu un petit peu quelques modifications pour vous permettre de mieux appréhender l'expérience de notre invité. Et madame, monsieur, ce soir, on va avoir le parcours parce qu'il est important que vous sachiez qui il est, d'où il vient. Et bien entendu, on fera notre petite escapade. Escapade de où? Le tapioca, vous en consommez certainement. Mais est-ce que vous savez seulement comment c'est préparé? Et à côté de cela, une manicure tout à fait spéciale. Comment on enlève les chics? Vous allez le découvrir dans cette escapade. Et l'équipe a testé pour vous le métier de l'invité. C'était un reportage et je vous assure, ne manquez pas ça en revenant avec la note de l'invité. Après avoir eu la note d'invité, nous avons notre pâte qui va venir sur ce plateau. C'est une nouveauté et une exclusivité Tatapu qui va décrypter le style de notre invité. Et bien entendu, il est bon, mais il va exercer un métier qu'il n'a pas l'habitude de faire. Vous entendez souvent dans nos marchés, porteur, porteur, porteur. Eh bien oui, il va être porteur ce soir. C'est le meilleur, on l'adore, mais il n'est pas au-dessus de la... Il va passer à la et il répondra aux questions qui lui seront posées. Voilà, madame, monsieur, pour votre menu. Alors, on ne sait pas qui est cet invité. On va demander à Mr. Vice. J'espère qu'il a changé un peu parce qu'il est un petit peu capricieux. Mr. Vice, qui est cet invité? C'est la ville de Mfo, située dans la région du centre et chef-lieu du département de la Mefo et à Fomba, à 30 km de Yaoundé, qui a offert au monde ce roi de la forêt
dont les griffes gardent la cage de l'équipe Fanion de football du Cameroun. Un de ces lions indomptables, dont la jeune crinière n'a d'égal que le courage, la détermination et la patience qui le caractérisent. Avec lui, vous conviendrez avec nous qu'accéder à la sagesse n'a rien à voir avec le nombre de cheveux blancs sur la tête. Quel est son patronyme? À vous de le dévoiler. Je m'arrête là, pour l'instant. Mister Vibes s'arrête là, pour l'instant, madame, monsieur, et il a raison, parce qu'on va accueillir ici cette jeune sommité. Voici le grand gardien de but, Fabrice Ondoie. Alors, il faut dire que tu es encore tout jeune, et il a déjà atteint un certain niveau. On va découvrir ton parcours, parce que beaucoup de gens pensent que tu viens à peine de commencer, mais derrière toi, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Alors, c'est ton parcours qu'on va regarder, madame, monsieur. C'est step by step, le parcours de Fabrice. Découvrez-le et vivez son expérience tout de suite. Et on se retrouve sur le S'il est vrai que la sagesse s'acquiert à travers les expériences que la vie nous donne de vivre, la patience serait donc le joyau qui ornerait la couronne de toute personne qui aspire à accéder à la maturité et la plénitude qu'elle procure. Mais comme aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années comme disait l'autre, ceux qui portent le manteau de la sagesse dès le berceau sont forcément considérés comme des personnes extraordinaires. Et de ces extraordinaires, qui n'ont en fait que fait le choix de travailler avec ardeur et courage en attendant de voir leur étoile briller un jour, Fabrice Ondoie, gardien de but de l'équipe Fanion de football du Cameroun, en est une parfaite illustration. C'est en 2006, alors qu'il n'a que 11 ans, que la porte de Sésame s'ouvre à lui. J'étais dans un petit club appelé Valence, à Yaoundé. En 2005, quand j'ai joué ma finale, Samuel était là, la finale était là. Il y avait aussi Patrick Mboma qui était là. L'entraîneur Siewe Joseph a approché mes parents pour dire que, avec leur permission, on sait que l'enfant est encore petit, il est tout bébé, mais il faut qu'il intègre la fondation Samuel Eto'o à Douala. Et la maman toute contente, elle était d'accord et le papa lui disait juste non, j'ai pas assez d'argent pour payer M. Samuel et tout pour qu'il puisse s'occuper de mon enfant. Et le coach a dit non, non, vous n'avez pas à vous inquiéter, Samuel s'occupe des enfants, s'occupe de sa scolarité, de sa nutrition, de son hébergement. Donc vous n'avez rien, vous n'avez même pas 5 francs à sortir. La Fondation Samuel Eto'o lui a tendu les bras, mais Fabrice prend très vite conscience de ce que seul le travail, la persévérance et la patience doivent être ses guides. Mais de 2006 à 2009, ça n'a vraiment pas été facile parce que j'ai fait trop de tournois. On m'appelait même déjà le voyageur. Et à un moment donné, c'est vrai que tu es petit, mais tu veux déjà tout de suite devenir grand. C'est vrai parce que tu vois les autres. Et le coach me disait toujours, non, faut pas baisser les bras, il faut continuer à travailler. Ton tour va arriver. Il fera le tour du monde, allant de tournoi en tournoi et engrangeant de l'expérience et des titres avec Fundesport et verra plusieurs de ses amis être recrutés et partir en Europe. Bien que remportant le titre de meilleur gardien à plusieurs reprises lors des compétitions,
Fabrice ne cédera pas au découragement grâce au conseil de celui qu'il appelle affectueusement son père, le goléador Samuel Etofis. Premier voyage pour Tenerife, où on avait un tournoi à discuter là-bas. Bon, ça ne s'était pas très bien passé parce que j'étais blessé tout le tournoi et je n'ai pas pu jouer. C'est vrai que j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais après, ce qui m'avait marqué, j'étais tout petit. Vraiment, je pleurais parce que moi, je voulais jouer. Je ne savais même pas qu'il fallait jouer pour qu'on te recrute et tout et tout. Moi, je voulais juste jouer, j'étais tout petit. Et ce qui m'avait plus marqué, c'était la présence de Samuel. Samuel qui était arrivé, il m'a touché. C'était la première fois qu'il pouvait me toucher comme ça. J'étais super content. Il m'avait dit non, ça va aller. Le plus important, c'est la santé. Il fallait d'abord que je puisse soigner ma blessure. Et il me remontait le moral, quoi. Il me dit que non, ça va, il y aura d'autres opportunités pour moi. Alors qu'il ne s'y attend pas, son rêve se réalise enfin. Il n'a alors que 14 ans. Le tournoi qu'on me recrute, je ne voulais même pas y aller parce que j'étais déjà fatigué de voyager. Je disais que ah, bon, ça va, si Dieu a décidé que je vais attendre et jouer au Cameroun avant de voyager, il n'y a pas de problème. Le coach me dit non, il ne faut pas baisser les bras. Il y a encore un tournoi qui va se jouer là en avril à Irun, en Espagne. Et c'est après ce tournoi que je suis sollicité par Barcelone. L'arrivée à Barcelone le 3 mai 2009 ne lui garantit rien. Le jeune prodige doit faire face à de nouveaux challenges. Et puis, je suis arrivé à Barcelone, ils m'ont dit, on t'a vu au tournoi, tu as beaucoup de qualités et aussi beaucoup de défauts en tant que gardien africain. Mais on va essayer de te donner une chance de 2 semaines pour faire des tests. Et après les 2 semaines, on va voir donc, tu n'es pas déjà d'emblée confirmé que tu viens rester à Barcelone, donc tu as un visa de 2 semaines. On va voir ce qu'il faut faire après. Sa détermination et son esprit conquérant convaincront les recruteurs contre toute attente. Et le 6 dimanche, là, j'étais parti voir le match Barcelone-Villarreal. Samuel avait marqué 2 buts. Barcelone-Villarreal au Camp Nou. Et j'étais content tellement. J'étais ému de voir le Camp Nou que j'ai dit « Ah mon gars, je ne vais pas rentrer au pays, je vais rester ici. Il faut que je donne le maximum à partir de lundi. » Et j'ai fait les tests lundi, mardi. Mercredi, on m'avait déjà donné ma valise et dit que j'avais réussi les tests. Donc en fait, j'ai fait 3 jours de tests. Fabrice intègre enfin l'équipe de Barcelone A et remporte avec son club le championnat et la Champions League dont il sort meilleur gardien. Dès 2011, il devient un lion indomptable. Cadet d'abord, puis junior dont il sera désigné par ses coéquipiers et les encadreurs capitaine grâce à son charisme et son esprit de combattant. Ils connaîtront victoire, mais aussi défaite, qui contribueront à faire mûrir le jeune prodige. À Barcelone, il décroche un contrat professionnel en équipe B, 2e division, et devient le premier gardien africain de l'histoire de Barcelone à avoir un contrat professionnel. Sa carrière professionnelle prend un tournant définitif lorsque pour la première fois il est convoqué en équipe nationale Fagnon le 6 septembre 2014 lors du regroupement pour le match contre la République démocratique du Congo au stade de Kamalando. Fabrice a alors 19 ans. J'arrive en stage, le coach m'a dit, ça fait longtemps que je te suis. Et je suis vraiment intéressé. Je trouve que tu as tous les atouts pour pouvoir être un très bon gardien. Mais maintenant, c'est à toi de nous révéler ce que tu vaux. C'est à toi de nous montrer qui tu es. Le lendemain, effectivement, moi, je ne croyais pas que j'allais être titulaire parce que le coach, lui, il ne donne pas les pistes par rapport à son classement. Il est arrivé, il nous a dit, aujourd'hui, nous avons une autre tâche. Un nouveau départ. Nous avons des jeunes à qui on a rallié parmi vous. Alors vous devez les guider au stade. Sans plus tarder, il a dit, je commence, on va jouer aujourd'hui avec Ondoyan les buts. Et après, je n'ai même pas suivi la suite du classement. Non, c'est vrai, je n'ai pas suivi la suite du classement. Et là, je dis, Ondoyan les buts et moi, je suis déjà dans mon monde. Les premiers pas du lionceau, devenu lion à la grande crinière et aux griffes bien acérées devant tout un peuple, ne font que commencer. Alors, je remercie déjà les Camerounais pour leur patience.
Et je peux leur assurer que ce n'est pas une patience qui va aller dans l'eau. Comment ne pas tomber en admiration devant ce jeune prodige qui fait la fierté du Cameroun et du continent africain et dont l'humilité et la bravoure vous laissent sans voix? De Ebogo Bikula Thomas et de Ndo Catherine et quatrième d'une famille de 5 enfants, Ondo Ebogo Joseph Fabrice dit l'araignée noire est né le 24 décembre 1995 à Yaoundé. Il suivra ses études jusqu'à ce que sa passion pour le football prenne le dessus. À l'époque, les parents vivaient en Kwayo, c'est là-bas où j'ai fait la maternelle et après ils sont allés vivre à Ekounou où j'ai fait le primaire à l'école publique d'Ekounou. Et après, je suis allé au collège, j'ai fait la sixième à Tanganyika-Isonga. Et après, c'est là où en 2005, j'ai joué le festieto des moins de 11 ans. Et en 2006, j'ai intégré la fondation Samuel Eto'o. Il s'adonnera à sa passion sous les yeux de son entourage, pour qui il ne mérite que ce qu'il a semé. Je suis de ceux qui ne sont pas surpris. Je suis de ceux qui ne sont pas surpris. Pourquoi? Parce que la majorité de nos supporters maintenant n'ont pas vu Faro jouer au goal. C'est un tout petit garçon que j'ai toujours vu travailler, qui voulait toujours être parmi les premiers. Donc je ne suis pas surpris de cette ascension-là. Alors pour moi, ce n'est pas une surprise si aujourd'hui il se retrouve numéro 1 en équipe nationale. Je sais qu'il n'a pas encore atteint notre objectif parce qu'on a un objectif commun, c'est un petit secret. Mais j'espère qu'il va atteindre d'ici peu, si Dieu le permet. On doit surnommer l'araignée noire que de nombreux Camerounais et le monde découvrent aujourd'hui est un pur produit de la fondation Samuel Eto'o Fils qui fait la fierté de sa famille et du continent. Je pense que papa est content, super content. Quand il va à Barcelone, il me dit toujours mon fils, je ne pouvais pas imaginer que je serais en train de regarder un match au Cameroun. Il me dit, peut-être que je ne vais pas regarder ton match au Cameroun, mais j'ai réalisé mon rêve. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça, papa? Il me dit, non, parce que pour le moment, tu ne te rends pas compte parce que tu n'as pas encore des enfants. Mais quand tu auras des enfants, tu sauras ce que c'est que la fierté d'un parent envers son enfant. Et là, on en discutera encore. La tête sur les épaules, arme à la main, le valeureux lion indomptable est plus que jamais conscient de ce que le chemin est encore long et que seul le travail individuel et collectif, la solidarité, porteront le Cameroun au sommet. Le sommet, il est encore très loin. Je pense que si sur l'échelle de 100, je ne suis qu'à 2%. Il me manque 90% à combler. Je crois que nous allons le vivre ensemble. Avoir un but dans la vie qui prend beaucoup d'énergie, qui exige beaucoup de travail, qui engage un grand intérêt et qui est un défi pour nous est le meilleur antidote qu'il nous est donné d'avoir. La patience, qui est définitivement la clé de toute chose, fera le reste et notre génie, comme le diamant, finira par briller dans l'ombre. Est déjà si vieux, ça dit que d'expérience, hein? Ah oui! Alors, Faro! pourquoi t'appelles Faro? Moi, j'ai plutôt une question. Oui. D'où sortez-vous ce nom? Bah non! On a bien vu. Donc, on a entendu beaucoup de gens t'appeler Faro. Donc, c'est le petit nom, je pense, des intimes que tu as. Dis-nous, on regarde ce parcours qui est magnifique, extraordinaire, et tu es encore très jeune. Est-ce que tu es issu d'une famille sportive? Pas tellement, juste
mon grand frère, l'aîné, qui m'a vraiment poussé à jouer ce poste parce que lui aussi, il était gardien de but, n'a pas joué le haut niveau, mais quand moi j'étais petit, je le voyais comme le sommet. D'accord. Alors, on comprend. C'est ça. Dans le grand frère, le petit frère. Comme le sommet. Bon, Fabrice, à quel âge avez-vous foulé un terrain de foot pour la première fois? À 7 ans. 7 ans, 8 ans, non, à Yaoundé. À 7 ans? Ouais. Ouais, bon, c'était quoi? Je ne sais pas, vous jouez avec les petits ou les grands? Non, les petits. À 7 ans, tu veux qu'il joue avec les grands? Non, mais comment? Maintenant, il joue avec les grands. Il a 19 ans, il joue avec les grands. Le gars a toujours été en avance sur le temps, quoi. Mais est-ce que c'était le ballon ou c'était la boîte? Parce que à 7 ans, c'est moi aussi. Oui, à 7 ans, c'est le petit ballon, c'était la boîte de tomates. C'était les boules de papier, là, on mélangeait. Ça faisait. Ah ouais. It was a dream that was pushing you, I guess. But how did your parents take you abandoning school and concentrating on football? Ouais, je pense que là-bas, papa, il était très rigoureux parce que. Tu es bilingue, mon petit. Non, pas tellement. Ouais, papa était très rigoureux au niveau des études. Oui. Et pour lui, c'était la première des choses parce que lui, il était coincé que les footballeurs c'était des délinquants. Oui, donc ça pour lui, c'est vrai. Il fallait étudier, il attendait des médecins, des avocats, ça a toujours été son rêve. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça. Donc, justement, papa il n'a jamais laissé que je joue juste au ballon, mais que je fasse sport-études. Sport-études. Wow. Mais c'est normal, tous les parents rêvent d'abord de laisser parce que le football on n'est pas trop sûr. Hein. C'est vrai. Comment est-ce que l'on fait pour pouvoir accepter ça définitivement que. Vous n'étiez pas faite peut-être pour les études, mais pour le football. Comment est-ce qu'il a pu? Oui, déjà, quand vous aviez Samuel Eto'o qui vient toquer à votre porte pour dire « Je veux le petit, je veux votre enfant. » Tu envoies vite. Vous voyez ce que tu veux. Tant quoi, avoir un enfant, c'est important. C'est l'assurance totale. Oui. Quoi. Ah oui. Et pourquoi doit avoir choisi le poste de gardien de but? La responsabilité. Pourquoi la responsabilité? Parce que déjà, papa est un homme très responsable et il m'a toujours dit, un homme c'est la responsabilité. Et je pense que le poste de gardien de but c'est le dernier rempart. Alors Fabrice, comment ça se passait au quotidien à la Fundesport? À la Fundesport, Fundesport qui est la fondation Samuel, Samuel Eto'o. Eto'o, oui, papa Samuel, il a toujours voulu que ce soit le style européen quoi. Genre sport-études, parce que nous on fréquentait à Saint-Michel, il y avait d'autres qui fréquentaient à Saint-Michel, d'autres au lycée Joss, et moi j'étais à Saint-Michel, et donc tu allais à l'école normalement le matin, tu finissais à 15h30, 16h, et là tu allais au camp d'entraînement au BBR, où on s'entraînait au BBR, donc après les classes, il fallait directement aller aux entraînements. Ah, donc on a pas arrêté les études, c'était études et puis sport, en même temps, vous étiez à peu près combien dans le centre? Là, ça dépendait parce que moi, je n'avais pas de famille à Douala. Donc, moi, je vivais au BBR, au camp, chez le colonel Fouembang, Gérard, à qui j'ai dit merci. Mm-hmm. Et à Newbel aussi, il y avait des enfants qui vivaient là-bas. Samuel avait aussi des installations là-bas. Mm-hmm. Donc, des enfants vivaient chez la maman de Jolene Diop, qui à l'époque était aussi directeur. Un très grand handball, Jolene Diop. Ouais. Pas joli. Et donc, d'autres enfants vivaient là-bas et alors, ils étaient au moins 9. Au BBR, on était 3 ou 4 et c'est comme ça qu'on se retrouvait pour s'entraîner et d'autres qui étaient des locaux. Quoi. Jamilon, au centre quand même. Les autres voyageaient, vous voyagez tous ensemble. Ouais. Tu étais souvent le meilleur et les autres partaient et toi, tu restais. Est-ce que ça t'a pas fait douter de tes performances à un moment? Oui, justement, ça m'a fait douter à un moment. Tu te crois vétéran, mais tu n'es pas vétéran parce que... J'étais petit, j'avais pratiquement 13-14 ans et je voyageais avec des 16 ans, des 18 ans parce que le coach il m'a toujours fait confiance, Siwe Diallo, il m'a toujours fait confiance. Il m'a fait voyager avec des plus grands et je pense que j'avais fait pratiquement 9 à 10 voyages auxquels j'étais sorti meilleur gardien trois fois dans trois tournois. Et c'était la même chanson tous les jours, il faut continuer de travailler, ça va aller. À un moment donné, je peux dire j'étais jeune mais je me suis fatigué. Oui, comme un vétéran, j'ai dit, bon, si ça arrive... Surtout que les autres partaient. Oui, il y avait d'autres qui jouaient, ils n'étaient même pas meilleurs, quelque chose. Mm-hmm. Mais après, ils partaient. Et le coach me disait, c'est ça la vie, ce n'est pas chacun forcément les titres. Chacun a son tour. Chaque comme il me dit, toujours, chacun a son tour chez le coiffeur, il ne prend pas 1000 têtes, il se met à raser, non. Il va... Mais il ne discourage pas, anyway. Right. But it was about experience
and potential, not about the age. Ouais. Yeah. Que les... mm-hmm. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait ma force aujourd'hui parce que c'est durant ce moment, je pense que j'ai gagné en expérience plus en disant en moralité. Mm-hmm. Moralité, yeah. Et j'avais un moral déjà costaud qui se bâtissait tous les jours. Mm-hmm. Et je pense que c'est d'où vient vraiment l'expérience que je peux développer aujourd'hui. Quoi. Tu parles comme quelqu'un qui allait à 40 ans. C'est vraiment vrai. Dieu fait quand même les choses. Hein. Tu as quelqu'un famille, qui a 20 ans. Est-ce qu'en famille, on ne disait pas que comme il ne parle pas, on l'a attaché. Oui, justement, et à l'époque. Vous savez, ma maman, elle est très religieuse. Oui. Elle est très religieuse. Et mon papa, gros blagueur de son état. Mm-hmm. Et la maman dit, mais je ne sais même pas, qu'est-ce qui ne va même pas. Oui. Elle me dit, à chaque instant, elle dit en patois, dis à l'autre, qu'est-ce qui ne va pas, on ne comprend pas. Mm-hmm. Et papa dit, non, si vraiment on l'avait attaché, tu penses qu'il allait même jouer? C'est aussi ça. Ouais, donc, on n'a jamais lavé au village. Non, non, non. On n'a pas lavé au village. On a lavé au village. D'accord, ça va. Bon, maintenant, j'imagine que pour pratiquer ce sport, il faut beaucoup manger. Est-ce que quand vous étiez en formation, c'est vrai que maintenant, tu es de l'autre côté, je ne sais pas si tu trouves du tapioca ou pas. Est-ce que vous étiez, quand vous étiez en formation ici, vous mangez du tapioca? Déjà, c'est interdit. Ah. Mais comme on est là en famille, alors on va dévoiler les secrets. Oui. Et c'est interdit parce qu'il fallait faire de la récupération. Donc, oui. Il fallait manger les pâtes et qu'on sort. Mais nous, dans la chambre, on avait toujours nos bols. Comme d'habitude, c'est le sauveur, le tapioca. Bien sûr. Voilà, c'est le sauveur des étudiants, des jeunes qui n'ont pas grand-chose et tout ça. Donc, il y en a beaucoup qui... Tu sais, quand tu mets ça, ça gonfle. Regarde, tant que ça gonfle. Il ne trempe pas la main. Il ne trempe pas la main. Il ne trempe pas la main. Avec l'eau française, ça gonfle plus vite. Et vous, les riches, oui. Nous, on avait même eu un autre secret. Avec l'eau chaude, ça gonfle plus. Ça gonfle plus. Allez. M'étonnerait qu'un Camerounais n'ait pas goûté au tapioca avec du sucre, avec des cacahuètes, des arachides, du lait, toutes les formes. On regarde sur le portail, c'est notre escapade ce soir, madame, monsieur, du tapioca. Et à côté, vous allez voir quelque chose de très spécial. Une pédicule, une jeune dame, une jeune fille, une petite fille à qui on enlève des chics. Vous en avez eu des chics, hein? Ah, il y en a qui ont... Ah, oh yes, oh yes, oh yes. On va en parler tout à l'heure, on regarde sur le reportage. Escapade, tapioca et pédicule spécial à côté. Et on se retrouve sur le côté. Voilà. Produit à partir de racines de manioc amères séchées puis traitées, le tapioca est une fécule utilisée dans le monde entier sous plusieurs formes. En cuisine, Achéké en Côte d'Ivoire, Chikwangé au Congo, Fufu au Cameroun ou Gozo en Centrafrique. En industrie, des entreprises utiliseraient le tapioca sous une forme redissoute pour faire des acides biodégradables ainsi que des lubrifiants pour moteurs. En médecine, les personnes atteintes des maladies cœliaques l'utiliseraient pour remplacer les farines contenant du gluten. La popularité attribuée à cet aliment ne vient certainement pas de ses diverses utilisations, mais plutôt de sa particularité spécifique de gonfler à froid. Riche comme pauvre, le tapioca est l'éternel sauveur. C'est à Babessi, à une centaine de kilomètres de Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun, magnifique contrée au paysage féerique, que vit Fouachi Francis avec ses deux épouses et ses 13 enfants, avec pour activité principale la production artisanale du tapioca. Les étapes ne sont pas aussi faciles qu'on le croirait. On enlève le manioc du champ, on enlève le pot, la peau de ça. Ça passe par une machine qui râpe. Après ça, on met ça dans le sac. On serre pour que l'eau sorte. Après ça,
on tamis. On commence maintenant à frire. On met l'huile. Oui, on met l'huile. Quand c'est sec. Quand c'est sec, dans le feu, on enlève. Oui, ça. Quand elle fait comme ça, là, elle est capable de. Même s'il a payé le manioc, elle est capable de faire comme ça, avoir un peu de bénéfice. C'est là, sur ça, maintenant, qu'on vit avec les enfants. Pendant que les femmes s'attellent à la préparation du tapioca, les enfants, eux, s'adonnent à d'autres activités. La lessive ou la vaisselle dans ce cours d'eau dont la nature les a gratifiés et qui leur sert à tout, même à boire et faire la cuisine. Quelle aubaine, me diriez-vous? L'aînée, elle prend soin de la santé de ses petits frères et sœurs en les débarrassant des envahisseurs, les chics. Puces vivant dans le sol et le sable et se nourrissant d'autres assants tels l'humain, le bétail, les chiens, les souris, et que l'on retrouve principalement dans les zones tropicales et à l'origine de la tungose ou sarcosilose, maladie de la peau parasitaire. Dans des conditions normales, il suffirait simplement d'une extraction adroite et prudente et de façon à aseptiser des parasites après élargissement de l'orifice cutané à l'aiguille, suivi d'une désinfection soigneuse de la logette et d'un pansement de protection jusqu'à cicatrisation. Mais ici, on fait avec les moyens de bord, avec pour seul anesthésiant un fouet prêt à faire son boulot en cas de refus de soins sous le regard compatissant des patients en attente. Comme c'est douloureux. Allez, retournons à notre préparation. Après le dernier tri, le tapioca est mis en sac et prêt à faire le bonheur de ses adeptes. Avec ou sans sucre, avec ou sans cacahuètes, à chacun son délire. Au fait, saviez-vous que non extraites à temps, les chics pourraient causer des abcès locaux qui, devenant phlegmoneux, aboutiraient au tétanos, à une gangrène gazeuse et une perte d'orteil? Le port de chaussures fermées dans les zones à risque serait donc la solution pour s'en prémunir. En attendant, notre patient dormira certainement mieux aujourd'hui, avec certainement de petites douleurs, mais des douleurs qui font du bien. Et nos mamans n'attendons plus que les clients qui ont passé commande de sacs de tapioca pour continuer de joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de leur progéniture. Et oui, la vie est un combat. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rubrique d'escapade dans l'émission Catapulte. Et très heureux de vous retrouver aussi en saison 3. L'équipe de Catapulte, comme vous le savez, a déposé ses caméras au cœur d'une région pas comme les autres. Nous sommes allés au nord-ouest pour vous faire vivre comme ceci en direct la transformation du tapioca en malogie ainsi. Et pour ne pas vous raconter des bêtises, il fallait bien que je passe à l'épreuve, il fallait que je goûte pour certifier exactement combien de fois est-ce que le tapioca fait partie de notre quotidien. Par rapport aux chics, moi j'ai jamais eu les chics. C'est ceux qui ont les chics qui peuvent dire quelque chose là-dessus. Moi je ne peux rien dire là-dessus. On se donne rendez-vous le mois prochain avec une escapade aussi enrichissante. Et portez-vous bien. C'est une très belle localité. Si vous arrivez de venir au Cameroun, n'hésitez pas à y aller. Il y a des paysages magnifiques, des montagnes, ah oui, des animaux et tout le reste. Et là, on a eu ce tapioca. C'est bizarre la vie quand même. Hein. D'un côté, pendant que les autres mangent, il y en a qui pleurent à côté. Et le tapioca qui est le sauveur, comme on l'a dit, c'est le meilleur de tout le monde. Hein. On ne va pas dire riche, pauvre. Pas de classe sociale. Et puis ceux qui n'ont jamais goûté au tapioca ne savent pas ce qu'ils paient. C'est ça. Mais oui. On te connaît. De ce point de vue, on te connaît. Ah oui.
Des chicots. C'est vrai. Non, non, tu as eu des chics, toi? Bien sûr, au moins 10. Ah bon? Mais le problème, c'est que Renaud n'en a jamais eu. Il ne connaît pas. Il ne sait pas la saveur. Il y a une petite saveur quand la chic est un peu est minuscule au départ. Oui. Quand tu veux dormir, quand ça démange, là, ça te baisse plus que... C'est vrai. Pas plus chaud, mais tu vois. Ah bon? Oui, oui. Quand tu es allé au village ou bien? Oui, ma première fois. Quand je suis allé au village pour rendre visite à la grand-mère, oui. Là, je suis plutôt rentré avec des envahisseurs. Combien de chics environ? Combien de chics? Ils étaient pratiquement 4. Souvenir. How did they remove it? Non, tu vous dis. C'est ça. Mais seulement le plus délicat, c'est au moment d'enlever. Au début, c'est sucré, non? Ça a le mouillon. Oui, mais quand il faut enlever, c'est autre chose. Quand la chic grandit, c'est plus compliqué. Mais quand elle est encore petite, on peut mettre, je crois, on appelle ce monde. Kérosine. Kérosine. Oui, et puis ça va brûler, la chic va brûler. Donc je préfère qu'on essaie de mettre une poussière quelque part pour que Renaud puisse avoir. Avant de l'expérimenter, qui a eu des chics. C'est ça le problème. Et qui en sait quelque chose. Comment c'est qu'on a eu chics? Ça démange. Ça démange. Et puis la base. Bon, en même temps, il faut aussi être entouré de gens qui... Mais de moins en moins, on en trouve. Je pense qu'à l'époque, même dans mon village, il y en avait plein. Autour des maisons, ça fait des petits trous comme ça. Et là, il y a les porcheries surtout. Ça fait des petits trous. J'ai eu une chic, moi. Une seule. J'ai eu une chic. Mais après, c'était passé. Donc, on espère que vous avez apprécié ce tapioca et que vous ne vous privez pas d'en bouffer. Bon, maintenant, pour les sportifs, il paraît que ce n'est pas bon. Mais je suis convaincue que chez nous, là, ici, là, quand les enfants la rayent, il n'y a pas de choix. C'est tapioca, ça boule le ventre. Il y a un enfant qui m'avait dit une fois, je l'ai trouvé en train de manger du tapioca et j'ai goûté, c'était pas sucré. Je lui ai dit, mais mon petit, c'est pas sucré. Il dit, quand on a faim, on ne sait pas faire le sucre. Mais on dit, ça ne mange pas seulement avec du sucre, on tourne ça comme le oui, après on cuisine, ça fait un couscous, ça fait du... Mais là, il faut avoir l'argent pour souvent faire la sauce. Il y a des moments où, occasion pressée, il n'y a pas de sauce. Mais les Ivoiriens en consomment, ils font là, c'est la ketché. La ketché. Dans l'Ouest, on fait aussi du couscous mangé avec héros. Mm-hmm. Vraiment, c'est délicieux. Quand on n'a pas d'histoire. Quand même, je viens de Lyon indomptable. Mine de rien, oui. Parce que chez les cadets, tu étais déjà en Lyon indomptable. Mm-hmm. Ouais. À quel âge tu arrives à... 15 ans. 15 ans à 15 ans. Ouais. Lyon indomptable à 15 ans. Ouais. Il y a des gens qui ont 15 ans ici. Small line. C'est que vous avez passé. Mais est-ce que ça a été pour toi, si à 15 ans, normalement, c'est quel âge les cadets? Moins de 17 ans, 15-16 ans, c'est ça. 15-16 ans, moins de 17 ans. Mm-hmm. Donc tu étais déjà titulaire? Oui. Chez les cadets? Oui. Tu es un vieux titulaire. It happens that he's always the youngest because they get there at 15 and 16, mais he went there at 15, you say. Mm-hmm. Donc tu jouais toujours avec les grands, les plus âgés que toi? Je crois que c'est ça. C'est peut-être ça sa particularité. Non, tu es très en avance. Il est très en avance. Tu es trop rapide. Donc en réalité, on te découvre aujourd'hui. On te découvre aujourd'hui, mais alors que tu as commencé depuis très longtemps. De toutes les façons, je pense que les Camerounais ont découvert lors de la CAN. Ouais. Oui, la CAN, tout le monde. 14. En 2014. Non, c'est d'abord quand il fallait se qualifier. Oui, on l'a découvert. On a vu un gars qui plongeait, on s'est dit que mais Thomas connaît le bénin dans l'équipe. Et c'est là qu'on a. On l'appelait le chat, le truc. Mais il est vraiment un chat. C'est une araignée. Mais j'ai l'impression que le chat, je ne sais pas. Je ne sais pas, les griffes du chat sont faites de... It's a lion. Lui, par contre, il dépasse le chat. Oui, ah bon? Lui, il dépasse le chat parce que quand tu le vois sauter là pour pouvoir, je sais pas, rattraper la balle, on a l'impression que... On a fait même pas Thomas Kono, je sais pas. Je comprends. MG, je comprends. C'est l'araignée. Voilà, il s'agit. On t'a donné ce nom-là, l'araignée noire. Tout le monde t'appelle l'araignée noire, tu le sais déjà? Non, non, ça je ne savais pas. Ah ben ça, c'est ce qu'on nous a dit, que j'ai l'araignée noire. Je pense que le chat noir, c'était Thomas Nkono. Mm-hmm. Et voilà, et là tu es l'araignée noire, ça veut dire que tu vas très... Parce que Spider-Man, hein, Spider-Man, c'est ça. Qui est... Il y a une danse qu'on appelle l'araignée. Oui. Papa on est oui, mais... Ouais. Ah bon? Ah, yeah. Comment ça se danse? Oh... Ah, 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 Fabrice, si tu nous montres la danse de l'araignée.
C'est ça. Ici, voilà. Oui. La danse est là. Et comment ça se... On chante comment? Ce n'est pas tout au hasard. Hein. La danse et le noir, ça va ensemble. Araignée et attraper. Oui. Génial. En tout cas, madame, monsieur, nous sommes avec Fabrice Ondoa. C'est pour nous un grand honneur d'entamer cette nouvelle saison avec cet invité, ce jeune qui est un modèle pour beaucoup d'entre vous et même des anciens. Mm-hmm. Donc, on fait juste une petite pause, on le retrouve. Il ne part pas. Hein. La danse là ne fait que commencer. Il y a plein de choses qui nous attendent. Petite pause, on se retrouve sur le côté. C'est parti pour Catapulte. Pour faire partie du public, c'est très simple. Envoyez le mot public au 93 et vous serez des nôtres. Pour réagir à l'émission, faites-nous parvenir vos messages en envoyant REAC, REAC, suivi de votre message ou réaction au 91-93. What is the new black? The new black is rich and creamy, with a distinctive taste that is an unexpected pleasure. There is only one milk stout. Castle Milk Stout. It is the new black. C'est à vous dans 1000 minutes. MJ, nous sommes. Bonjour. C'était pour une fin de l'émission. On lance là. Allez. C'était bon jusqu'à. En plus, ça les collait même pas. Réalo, on lance. Pardon, pardon, pardon. C'est ça notre secret. Rada, Bérigou. Honda, c'est pas que tu pleures, c'est moule de blé dur, la qualité et le goût en 8 minutes seulement. Rejoignez à l'instant, madame, monsieur, nous sommes avec Fabrice Ondoa, le gardien de but des Lions Indomptables du Cameroun, qui fait notre fierté. Et bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook avec le Facebook Catapulte ou le hashtag sur Twitter, hashtag Catapulte. Et bien sûr, retrouver l'émission sur www.mybarabou.com. C'est une émission produite par Marabou. Alors, dis-nous, quand tu arrives à Barcelone, est-ce que ça s'est passé facilement pour toi, l'intégration entre la langue et l'adaptation, le climat, tout le reste? Non, même pas. C'était un peu difficile parce que déjà, côté langue, on avait fait, j'étais à Saint-Michel en quatrième. Mm-hmm. C'était très difficile, l'espagnol. Et on avait quand même des bases, quoi, parce que quand on devait voyager, quand on était sûr qu'on te donnait le visa, oui, Samuel mettait des professeurs particuliers à ta disposition. Wow. Pour essayer de t'adapter. Mais
c'était pas facile parce que quand tu finissais de faire cours avec lui, mm-hmm. tu retrouvais encore tes combis et vous retrouvez le français, tout ça. Gars, j'étais tchat que tout ça. Donc, directement. Tout l'espagnol fuyait. Voilà, c'était un peu ça. Donc là-bas, il fallait tout recommencer. Il y avait aussi le climat parce que c'était pas facile. Ici, il fait chaud et à Barcelone, parfois il fait froid. Donc, ouais. C'était un peu ça les deux facteurs qui m'ont un peu fait vraiment transpirer. Quoi. Mm-hmm. Mais tu as eu le temps d'apprendre l'espagnol. Mm-hmm. Oui, j'ai eu le temps d'apprendre l'espagnol parce que quand je suis arrivé, le 3 mai, comme ça, je suis arrivé. Et là, quand j'ai réussi les tests, mm-hmm. ils m'ont mis un autre professeur particulier parce que je devais commencer les cours en septembre. Et normalement, comme tout le monde, donc il fallait s'adapter directement. Oui. C'est 3 mois, donc je n'avais que 3 mois. Et là, quand on est, comme on dit, benguiste, tu veux directement revenir au pays, quoi, pour dire à tes amis, tu vois. Oui. Et donc, je devais revenir au Cameroun le 25-26 juin. Mm-hmm. Et j'ai dit, OK, ça va, je vais continuer les cours au Cameroun. Mm-hmm. Mais je n'ai même pas eu le temps de faire les cours au Cameroun. Ah ouais, que tu es reparti. Il faut rappeler que tu étais parti pour un test de 2 semaines. Ouais. Et au bout de 3 jours, on t'a donné la vallée, on dit que tu restes. Ouais. Ça dit que tu étais très fort. Mmh. Bravo. Wow. How is a day like in Barcelone? A typical day in Barcelone? À Barcelone, la priorité, d'accord. Ce sont les études. Okay. Déjà, et quand tu arrives, comme je l'ai dit avant, il faut que tu t'adaptes avec la langue. Mmh. Et déjà, c'est pas que l'espagnol, parce qu'il faut apprendre l'espagnol, mais il y a un gros facteur, le catalan. Ah, si. Ouais, parce que... Si. Il faut faire... sabla, después. Oui, il faut faire les cours en ceux catalan. Ceux qui ont compris. Hein. Ouais. On se comprend. Non, moi je comprends. Pouet, tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça qui quoi. Si il habla en espagnol et que moi je comprends, je réponds si, yo hablo tout. Pas le problème. Si, go ahead. Aucun problème. Donc, c'était un peu ça aussi avec le catalan parce qu'eux ils font quoi en catalan? C'est vrai, ils sont en Espagne avec la politique et consorts et ils priorisent plutôt le catalan, donc ils font cours en catalan. Donc oui. Il faut apprendre l'espagnol pour communiquer avec tes coéquipiers, mm-hmm. mais tout en sachant qu'en septembre, quand tu vas aller en classe, mm-hmm. il va falloir que tu te dépêches en catalan aussi. Ouais. En tout cas, bravo. Donc ça veut dire qu'on dit tu parles le français, l'anglais, l'espagnol, le catalan, le béti. Le camp anglais, le pidgin, tout. Il est complet. Fabrice, avez-vous un modèle qui a joué, donc qui vous a influencé, ouais. Et vous qui continuez à vous influencer dans votre carrière? Ouais. Pour moi, c'est Thomas Nkono. Waouh! Quand tu parlais, j'ai eu peur qu'un nom de l'autre côté ne sorte. C'est ça? Ah oui, Thomas, wow. Non, mais je peux dire, malheureusement, je ne l'ai pas vu jouer direct. Mais comme mon papa, c'était un fan de Thomas Nkono, lui, mm-hmm. il aimait Thomas Nkono. Je pense que c'est aussi par là que passait mon grand frère. Oui. Donc lui, il a toutes ses cassettes. Mm-hmm. Donc du coup, lui, dimanche soir, ne vous gênez même pas, après le journal, il doit revoir un match de Thomas Nkono. Ouais, il doit revoir. Et donc... tu as eu l'occasion de rencontrer Thomas Nkono? Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et à Barcelone. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vu? Et des frissons. Ah ouais? Il y a de quoi? Suivre les pas de Thomas Nkono. Je pense que pour le moment, je ne peux pas dire ça parce que Tommy, c'est une légende. Il reste Tommy. Il faut vraiment arriver à un niveau pour dire que tu mérites. Déjà mériter de suivre les pas de Thomas Nkono, c'est pas facile. C'est très difficile. C'est une charge assez lourde que je n'aimerais pas porter maintenant. Ah non, tu dois vraiment porter. Donc, de toutes les façons, c'est bien qu'il soit ton modèle parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas des modèles. Aujourd'hui, Fabrice, c'est différent. Est-ce que ça. Est-ce différent que ça... dans quel sens? C'est ça, dis-le. Non, mais j'ai pas peur de le dire. Je suis que Fabrice a beaucoup d'argent. Donc, du coup, est-ce que ça a impacté les relations avec la famille, les amis?
Non, jamais, ça n'a jamais impacté. Déjà, je suis resté avec les mêmes amis. Ah oui? Oui, mes mêmes amis. Tes amis qui disent que comment c'est plein aussi. C'est plein. Ouais. Non, mais on fait la suchage dans les bus. Non, on ne bâche pas. On ne bâche pas. C'est une place. Non, je pense que non, ça va. Je suis resté le même. Mon même rang d'avant-dernier né. Quand il y a réunion de famille, je parle en dernière position. Quand l'aîné, le deuxième et le troisième ont déjà parlé, c'est là où s'ils veulent, ils peuvent me demander que petit frère, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ou parfois, ils finissent la réunion, ils ne me donnent même pas l'opportunité de dire un mot. Donc je pense que c'est ça, le même respect resté. Ça s'appelle de l'humilité et qui précède la gloire. Bravo. Alors, c'est bon, hein. De toutes les façons, Fabrice, il y a beaucoup de gens qui pensent que ton métier est facile. C'est pour ça que la plupart du temps, des fois, tu entends des gens qui disent que arrêter un ballon, arrêter un ballon, c'est quoi et tout ça. Mais je t'assure donc que c'est ce que notre équipe pensait aussi. C'est-à-dire que ton métier est facile. Et on va voir ce reportage, madame, monsieur. On a testé pour vous le métier de l'invité. Et après ça, on va revenir avec la note de l'invité. Et il y a Pat qui a décrypté ton style vestimentaire qui va venir nous présenter ça tout à l'heure. On a testé pour vous gardien de but, MG, Dominique, Queen et Renaud, âme sensible. On regarde ça et on se retrouve. La volonté peut-elle suffire pour devenir gardien de but par un coup de baguette magique? Dites-moi. Vous répondrez sûrement encore non. Et vous aurez bien raison, les amis. Le terrain consolation peut être à la hauteur de l'invité. Là, on ne peut pas dire si on pourra jouer comme lui, mais c'est sur le terrain qu'on va voir. Le gars, il est là-bas, il est rapide, il est tout. C'est sur le terrain qu'on verra si nous sommes rapides. Et ça fait longtemps. Ça fait peut-être 5 ans, il n'est pas joué au foot. Donc, il va falloir... J'ai failli être pro, hein. Très prête. Alors si là, je suis bien prête. Hein. Ça va chauffer. Les buts vont être encaissés. Non, tout. Parce que honnêtement, c'est un poste très délicat. Et c'est un poste qui me fait peur. Parce que la balle peut venir de façon violente là. Ça te défigure. Hein. Donc, ça me fait peur honnêtement. Donc, je me dis le max de buts sera encaissé. Le max. Donc je ne sais même pas si je vais pouvoir voir la direction ou essayer de lire la trajectoire du ballon. Je ne sais pas. Donc le max de but, je vous promets. You know, since my experience as a goalkeeper, I've been, you know, nobody has ever scored me, so I don't know. Anyone they bring, I'm ready to take because my blood is already hot. So just wait. I'll give you just the best. Nous aurions tant voulu vous épargner le spectacle qui va suivre, mais étant donné la peine que notre équipe de présentateurs s'est donnée pour convaincre les recruteurs de leur accorder une chance dans la sélection nationale à la place de l'araignée noire Ondoa Fabrice, ce serait une injustice que de vous priver de ses purs talents. Voilà, jugez vous-même leur prestation et vous connaissez la formule usuelle qui décline notre responsabilité. Âme sensée, s'abstenir. Tout commence par certains dont seul l'équipement laisse deviner la suite. On ne cite pas les contemporains. Pris en charge par Clovis, ancien gardien de but de la promotion Samuel Eto'o, Idriss Carlos Kameni, Makoun et les autres à Akadi Sport Academy. Notre équipe va faire ses preuves. Donc, affaire très 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 sérieuse. Première étape, échauffement. Exercice sans ballon spécifique au gardien de but. No comment.
Jusqu'ici, il y a des survivants. Passons à la deuxième étape. Exercice avec ballon. Tout semble avoir assimilé, à quelques exceptions près. Les chaussures, ils sont certainement pour quelque chose. Encore des survivants. Dernière étape. Au goal, tout le monde. Chacun à son tour. Appréciez les techniques. MG, tu veux vraiment passer en premier? Puisque tu insistes. Ok, ok. Allons-y. Avec ça, tu conviendras avec moi qu'autant déclarer forfait. Tout de suite. Queen, si c'est avec cette chaussure que tu espères être sélectionné, tu as tout faux, notre Queen. Entre les tirs et les plongeons de Dominique, Queen et Renaud, même la coupe intervoisin est loin d'être gagnée. Il faut se dire, à la décharge de notre équipe, que s'il n'avait pas plu ce jour-là, le spectacle serait certainement différent. Le football en général et la profession et le rôle de gardien en particulier, mais c'est pas facile et ça fait peur parce que une balle peut venir en face et tout avec le poids de la balle, franchement c'est pas facile. Donc courage et merci à notre entraîneur du jour qui nous a permis d'acquérir beaucoup de connaissances. Brice, beaucoup de courage et bonne continuation dans sa carrière. Donc que de bonnes choses. No, not at all. It's not an easy task because just the ball and training in such conditions is not easy, first of all. Then to have the will to stand behind the pole for so many hours doing one and the same thing is exhausting, and you have to be very strong with in order to support. So I congratulate Fabrice and all goalkeepers everywhere around the world, and I say bravo, bravo, bravo. We are strongly behind you wherever, whenever you are. Thank you very much for defending the Lions. Ah, déjà premièrement, c'est épuisant. Je viens de perdre 2000 calories. Parce que franchement, si on m'avait dit que cet entraînement de près d'une heure de temps m'aurait fatigué autant, j'aurais pas cru. Non, sur le terrain là, c'est difficile et je crois que les gardiens sont encouragés, notamment Fabrice, parce que ce que tu fais. Franchement, je ne sais pas comment sauter, attraper, plonger. Moi, ça fait mal, c'est fatigant. Et il faudrait qu'on apprenne à respecter ce métier-là. Et on se dit que c'est facile parce que, bon, on a l'habitude de tirer juste des balles. Il faut juste attraper. Ce n'est pas que ça, un gardien de but. Le meilleur gardien de but. Regardez. Tout ce que je peux dire à Fabrice, c'est. Je vais d'abord lui tirer un coup de chapeau. Parce que si tous les jours, il doit rentrer avec les pieds écorchés comme ça. Là. Moi, je suis en train de réfléchir comment il fait pour me laver tout à l'heure. Parce que c'est pas facile. Je me suis vraiment écorché. Tout ce que je peux lui dire, c'est beaucoup de courage parce qu'il est jeune, il est en train de débuter dans sa carrière et il a une ascension fulgurante. Il faudrait seulement qu'il soit posé, qu'il écoute beaucoup les grands frères. Quand on est le plus petit au milieu des grands, on réussit, on se fait accepter partout. Okay? C'est de par l'humilité que les portes s'ouvrent. Mais si on veut jouer, je veux dire, à l'orgueil, non. Parce que je ne vois pas l'enfant orgueilleux que tout le monde peut aimer. Si on aime l'orgueil, si vous voyez quelqu'un être aimé parce qu'il est orgueilleux, ça veut dire que quelque part, on essaie de monnaie un peu. Quel que soit le cas, on ne se lève pas un matin pour devenir un gardien de but de la trempe de Fabrice Ondoa. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'étonnerait que le Cameroun aille loin avec ses gardiens de but qu'on a vu tout à l'heure. Non, ça ne devrait pas t'étonner parce qu'on n'est pas gardien. Comment donc, ça
Oui, Fabrice n'est pas né gardien, il a eu le temps de se préparer. D'accord. Mm-hmm. Donc, il n'est pas devenu en un jour. Mais honnêtement, moi-même, sur ma preuve, je n'avais jamais vu. Tu vas jamais arriver. Même si on me met ça dans le sang. Mais tu as quand même fait fort, MG. Pourquoi? Tu as fait fort parce que je sais qu'il y a un tir. Je crois que c'est Queen qui a tiré. Et toi-même, tu as marqué le but. C'est-à-dire que. Elle a vu le ballon venir. Avec peut-être l'aide de la réalisation, est-ce qu'on peut avoir cette image au moment du tir de Queen, s'il vous plaît? Voilà. Voilà, il y avait d'abord l'échauffement. Ça cause des gens comme toi là, on ne peut pas aller loin. Si on a les gardiens comme ça là, franchement, autant mieux arrêter de jouer au football. Hein? Non, MG. On va jouer, on le met pas. Eh, bon. MG. Fabrice, on a compris que ce n'est pas facile, mais est-ce que tu peux leur donner une note sur 10 pour voir quand même. Non, quatre aussi. Quatre. On ressemblait l'équipement, c'est malogant avec une godasse. Et quand on pouvait croire que. Il a donné les gants. Peut-être que si on avait les gants. Il a un ballon avec les gants là. Rien. Non. Je me suis écorché avec les gants. Il s'est écorché avec les gants. Combien tu peux donner à Renaud? Un 3. Un 3. Elle c'est l'équipement qui est le jeu lui-même tu as zéro. Des tristes pour les deux. C'est le risque du métier. Elle n'a arrêté aucun but qui No campaign. Combien tu peux lui donner? Moi je crois pour son courage je vais lui donner 5. Non, oui. Vous savez comment c'est pareil, même quand on est en classe, quand le professeur pose une question, c'est toujours le premier qui a la bonne réponse parce que c'est lui le plus courageux. Ah, quand d'accord. Je dis que c'est meilleur pour une position pour donner le chemin aux autres. Oui. Oh. Donc, 5. Ce n'est pas du tout facile. Et aujourd'hui, il faut commencer, il faut travailler très dur. Parce que les exercices, j'ai participé à ces exercices-là, je dois avouer que ce n'est pas facile. Il faut avoir un mental très très fort. Quel état d'esprit en fait bon, déjà, il faut. Tu t'es dit, aujourd'hui, je ne vais pas prendre de but. Oui. Déjà ça, tu commences. Même j'essaie de dire ça, mais bon. Aujourd'hui, je vais prendre de but. Et tu t'es dit encore? Si aujourd'hui je ne prends pas de but, je suis au moins sûr de rentrer avec un point à la maison. Oui. Je sais que tu as fait match nul et deuxièmement, tu te dis c'est toi qui dois encourager tes coéquipiers parce que quand tu as su derrière, ça donne le courage et la force. Oui, oui. Devant de dire ok, si l'entraîneur ne se bat, nous aussi on va faire quelque chose de plus pour pouvoir sortir de là et gagner le match. Oui. Et toujours tu dois te mentaliser que tu es le meilleur, tu es le meilleur et que tu vas donner le max de toi aussi pour pouvoir amener ton équipe à la victoire. Tu joues avec des shorts, des culottes. Les autres ont des pantalons. On a vu Renaud qui s'est écorché tout ça. Est-ce que c'est un choix ou bien ça, quand tu mets le pantalon, ça te gêne dans les mouvements? Ça dépend, c'est parce qu'il y a parfois en hiver, peut-être quand tu vas jouer un match de Champions League, Oui. Long, mais généralement, aussi la FIFA ne permet plus trop ça parce que
D'accord. Un collant. Ah, d'accord. Donc, c'est la réglementation en fait qui exige ça. Ok, nous on pensait que c'était un look, un style que tu avais choisi et tout. Mais on sait aussi que tu as souvent. C'est toi qui choisis les couleurs de tes maillots ou bien c'est le. Non. Ah, d'accord. Mais de toute façon, ça te va bien. Ça te va tellement bien qu'on a choisi de décrypter ton look. Pat, t'as suivi. Et on va voir, n'est-ce pas, le look de notre invité. C'est un gars fashion ou bien? Ah oui, notre jeune femme s'est troqué sa tenue de gardien de but pour une passion, c'est qu'elle a et son secours. Il n'y a qu'à voir comme il est fashion. C'est ça. Oui. Parce que pour mettre la salopette comme ça, il faut être courageux. Courageux. Pas dans la dentelle. Ah oui. Ah ouais, c'est ça. On va regarder. Première image. Wow. Ah. Wow. Ouais. C'est un choix, c'est quoi? C'est quand tu veux être décontracté, c'est quoi? Non, en fait, quand j'étais petit, oui. Je demandais toujours à mon enfant de m'acheter des salopettes. Ah, et d'accord. Il me disait toujours, ah non, ça c'est pour les anglais comme ça, il faut le pantalon. Alors je lui ai dit, si un jour vous me permettez d'avoir les salopettes. Je vais acheter les salopettes, tu vas voir. Donc en fait, c'est la vengeance. Te venge aussi la salopette. En tout cas, c'est pas mal. Il a appelé que c'est un look gangster. Gangster américain. Vous voyez, il a une mode. Oui. Je vais dire à la main. Oui. Il ne peut pas faire de publicité. Mm-hmm. Ensuite, il a sorti avec un blouson aussi. Oui, oui. Il a misé sur une couleur aussi, qui est, on appelle ça, le délaté. Deuxième image. Wow. Ah, voilà. Je me rappelle. En fait, on avait été invité. Toi avec qui? Ouais, MJ. Donc, elle avait une robe jaune ce jour-là et tu as mis la veste. Elle aime les mariages, hein, MJ. Mais elle se look pas, c'est ça. Alors là, Fabrice a une veste de couleur jaune. Je suppose qu'il faisait très chaud. Effectivement, c'était à Barcelone, comme MJ l'a dit. Et là, il a sorti ça un pantalon ultra bleu pour sortir la couleur jaune de sa veste. Ah ouais, toujours, il est très joli. C'est une beauté. Oui, oui. Parce que là, c'est un beauté. C'est ça. Ouais. C'est tout de couleur marron. Mais de toutes les façons, ce qu'on voit là, avec cette tenue-là, elle est classe quand même. Elle est classe. Elle est soit. Tu peux aller en discothèque, tu peux aller à un cocktail. Tu fais malheur en apéro. Oui, tu vas faire une star. Non. Non, comment ça? On n'entre pas. MJ, between us, my dear, he's a star. C'est juste un change. Je pose une question. Si tu travailles au ministère MG, puisque tu étais à Barcelone, tu travailles dans un ministère, tu vois Fabrice Ondoa entrer en jean et en veste comme il y a, tu vas les chasser. Même s'il y a un soir de reçoit. En tout cas, c'est un look de star, c'est une star, c'est normal dans ma vie. Ah oui. Et les couleurs lui vont bien. Ça va très bien. Mais quand tu mets les tenues comme ça, les filles doivent tomber grave. Hein. Sans tomber. Elle tombe sans glisser. Donc, tu étais en voyage, c'est comme si tu venais en stage. Non, justement, on allait jouer la demi-finale et la finale de Champions League en Suisse. Ah, d'accord. Wow. Mais c'était avec quel club? Avec Barcelone. Avec Barcelone. On a une dernière image. Oui. Fabrice a fait fort. Ah bon? Là, je vois avec les couleurs. Là. Ah ouais? Je pense que c'est le week-end. Fluo. Non? Ou bien quand tu avais tes poids et tout ça. Joli. Non. Ah, le jour là. Pourquoi je n'ai jamais su ces photos? Pour le photographe.
est pertinente. Même si je n'ai pas sur les photos avec Fabrice, alors qu'il n'y a que... À moins que... Si je suis sur la photo, tu vas bien résumer. Ah bon? C'est ça. Il faut que tu mettes tous les détails. Pour l'offre préférée en passant, donc, tu étais vraiment... Waouh, avec cette tenue. Avec waouh, avec cette tenue, à croquer quoi. À griffer. En tout cas, c'est très bien. On voit que tu as un look qui est assez jeune. Oui, il utilise juste les couleurs jeunes, son âge. Ah ouais. Les soins. Il a envie de dire qu'un petit comme ça, ça bien. On ne parle pas de la marque, hein, Fabrice. Mais quand tu veux être free, est-ce que tu vas en discothèque, tout ça, avec tes potes? Et tu sais que on chante et danse. La rumeur courante qu'on t'appelle Pantera Negra de l'autre côté. Pantera Negra, la Pantera Negra. C'est pas mal ça. Hein? Et pourquoi ça, hein? C'est pas mal. Parce que on était au deux camps en train de jouer et puis il y a eu un ballon dans mon avant-salle. Il a poussé un ballon et je l'ai anticipé. Oui. Et quand je suis arrivé sur le ballon, il a dit la Pantera Negra, la Pantera noire, et que tu m'as envoyé aujourd'hui. Et depuis ce jour, tous en prison, on commence à m'appeler comme ça. Pantera Negra, en tout cas, bravo pour ton style, tu es fashion. Et swag. Ouais. C'est toi-même, au feeling. De toute façon, quand on est une star, on doit quand même se vêtir d'une certaine façon. On doit avoir un look. Et beaucoup de gens copient. S'il vous plaît, ne copiez pas pour copier. Copiez parce que vous vous dites c'est un modèle pour moi et je veux être comme lui. Pas seulement pour la coiffure ou la tenue, mais aussi pour ce qu'il est à l'intérieur et pour le travail qu'il a bas. Parce qu'on dit, la vie ne fait pas le moine. Oui, la vie ne fait pas le moine, c'est vrai. Donc maintenant, une panthère qui sape aussi, c'est quelque chose. Hein. Ce n'est pas facile. Alors Fabrice, par rapport à cela, on comprend que tu as beaucoup d'humilité et que tu es quelqu'un de simple. Et c'est peut-être pour ça que tu as choisi d'aller exercer un métier que tu ne connais pas et que tu as découvert. Tu as choisi d'être porteur au marché. Un jour ailleurs, Fabrice Ondoa, porteur. Et on se retrouve sur le côté. Impossible de faire un pas dans nos marchés sans entendre la voix interpellatrice de ces jeunes enfants et adolescents qui sont à la quête de leur pain quotidien. Ils s'adonnent à ce métier sont diverses. On y passera d'ailleurs la journée. En tout cas, c'est avec les porteurs du marché Sandaga à Douala que le lion indomptable, gardien de but de l'équipe Fagnon du Cameroun, Fabrice Ondoa, qui a les pieds bien ancrés au sol parce qu'il sait d'où il vient, a choisi de sortir les griffes pour pointer la journée. Tout commence avec un briefing, avec celui qui va être son coach d'un jour. En même temps, avec une tenue aussi propre, c'est toi qui risques d'être porté au doigt. Passe cela. En général, quand on garde les voitures, là, comme tout à l'heure, on vous est garé là. Si c'est une femme qui a besoin pour aller faire le marché, elle ne prend pas faire le marché ensemble. Ouais. Si ça dépend des cas, si vous ne voulez pas, il y a d'autres hommes qui ont aussi les bosses, il y a des filles à ça. Ouais. Et à l'intérieur, c'est parce qu'on a un ballon, on peut entrer à l'intérieur. Bien sûr, on y va. Notre apprenti porteur est gonflé à bloc et prêt à attaquer tous les clients qui passent. Mais qu'est-ce qui peut bien le motiver autant? J'espère qu'on va trouver les clients parce que la robe fait mal. Tu as raison, tu as raison. Surtout que la concurrence est très rude. Bon ben, allez à l'attaque! Allez, voilà, merci. Hé, maman, pote. Hé, maman. Ah, elle n'a pas encore besoin de porteur. Convaincre les clients, ça n'a pas l'air d'être évident. Il faut peut-être changer de stratégie pour ne pas encaisser un zéro à la fin de la journée. Retour à la case départ.
toujours en compagnie de son coach, il faut attaquer hors des 5m50. C'est-à-dire toujours le client dès la route. On y va long, on monte. Maman pas où? Il te suit, viens, il te suit. Il t'a pas encore. Allez-y, non, tu mets dedans. Mais tu vas le mettre où? Il te suit. Voilà. Voilà. Bien sûr. Oui. On a bougé. C'est bon ici? Oui. Voilà. Oui, oui. Je laisse d'abord ça remettre. Jusqu'ici, notre porteur passait inaperçu. Jusqu'à ce qu'un gars le reconnaisse et vende la mèche. Celui-là, c'est mon sang depuis Yaoundé. C'est pas ce que tu connais. Prenez ses mains. Ok, c'est bon. Je suis avec le pro. Très vite, les agents de sécurité s'improvisent pour protéger le goleador. Mais tout ce bois ne semble pas perturber notre chat noir, qui va jusqu'au bout de sa mission. Charger la voiture et satisfaire son client. Mais là, impossible de continuer à travailler. Les fans ont pris d'assaut le chat noir. Heureusement que nos vaillantes fortes, de l'autre, toujours aux aguets pour notre sécurité, étaient de passage. Le son a tiré. Ce que je ressens, il nous prouve, il nous montre comment il a fait dans l'avenir et porter ici pour payer sa pension, pour aider ses parents à mieux payer sa pension. Il nous prouve, les jeunes Camerounais, de se battre au lieu de voler. Donc au lieu de voler, on doit se battre pour chercher au moins l'argent des cours du soir. Donc, le conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est que les jeunes ne se méfient pas en disant qu'il n'y a pas de l'argent ou de l'emploi. Ils doivent se battre. Celui qui cherche bien trouve. Il n'y a pas le vol. Donc le vol n'est pas bien. Donc il peut venir faire se battre comme nous et sortir. Je me sens bien. Ça me permet de me rappeler d'où je viens. Ça me permet de me rappeler d'où j'ai commencé, ce que je faisais avant. Et je pense que ça a toujours été ma force. Et puis de travailler avec un ami, parce que je l'appelle déjà un ami, un collègue comme ça. Je crois que ça, c'est un peu frustrant de revenir là et voir tout ce qui se passe. Mais nous ne devons pas oublier que c'est cette réalité que nos frères, certains de nos frères vivent tous les jours. Et vraiment, ça me fait plaisir d'avoir partagé ce moment avec lui. Tellement c'était même difficile le 31, les mamans ont déjà terminé le marché. Je ne sais même pas si j'ai un matin 150. Et en plus, les gars ne nous ont même pas laissé terminer le travail. Et ils ne passaient que le temps à voler nos clients. Donc je pense que peut-être la prochaine fois sera la bonne. On peut qu'encourager ces jeunes, c'est leur tirer déjà d'abord un grand coup de chapeau. Parce qu'ils acceptent de travailler. Ils ne restent pas à la maison à déranger les portefeuilles des parents, à déranger les portefeuilles des grands frères ou des tantes ou de certaines personnes au quartier. Ils acceptent de venir au marché travailler, porter. Et je pense que vraiment, déjà, il faut les encourager et respecter ce qu'ils font parce que c'est déjà très difficile. Vous-même, vous avez vu comme c'était difficile là. Un moment où tu peux demander maman, je veux porter. Elle va toujours te dire il y a déjà tes frères porteurs qui sont là et tu ne dois pas baisser les bras. Donc ça va un peu dans notre compartiment aussi qui est le football. Même quand c'est difficile, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Donc je ne peux que, comme je l'ai dit, leur tirer un coup de chapeau, leur encourager de ne jamais baisser les bras, de toujours continuer à faire quelque chose. Parce que tout à l'heure, mon moniteur là qui m'a dit qu'il fait des études, il fréquente et pendant les congés comme ça et les vacances, il va porter aux machines pour essayer d'aider ses parents à continuer à payer ses études. Se démarquer dans la vie par la force du travail, de la détermination et se maintenir au sommet exige une bonne dose d'humilité. Car garder les pieds sur terre quand on a la grâce de toucher le soleil demeure un véritable challenge pour la plupart. Bravo pour cette belle leçon d'humilité. Et
Il ne faut pas se décourager parce que c'est au bout de l'effort qu'il y a la récompense. Bravo à Gabriel, ce jeune homme qui choisit de faire ce métier pendant les vacances pour pouvoir payer ses études à la rentrée. C'était un moment spécial, hein, Fabrice? Oui. Ouais. Mm-hmm. Ouais, parce que quand tu vois un jeune homme comme ça, un frère, se battre, ça prouve quand même que la jeunesse, le travail de la jeunesse, a compris des choses. Mm-hmm. Et une apparence. Ouais. Donc, c'est déjà ça la première chose, parce qu'au quartier, on va dire, tu es porteur, tu es pousseur, et tout ça. Mais lui, il n'a pas cette honte et il envoie un message clair, là, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Il ne faut pas rester à la maison, faire n'importe quoi, il faut venir au marché pour faire quelque ouais. chose, même si. Comme il m'avait dit, parfois il travaille 3000. Moi, je l'ai regardé comme un marabout. Comme oui. un sorcier. 3000 à cette allure. Non, je ne crois pas. Mais il m'a dit non, ça va, il y a des jours comme ça. Tu arrives, tu fais 500, tu fais 450, tu râles, tu es démoralisé. Mm-hmm. Et tu dois revenir le lendemain. Il y a aussi des jours que Dieu te donne et tu fais 4000, 5000, tel comme il a dit. Donc, je pense que ça ne te trouve pas à la maison. C'est ouais. dehors, au bout de l'effort, qu'il y a la récompense. Ah, ça, c'est clair. C'est au bout de l'effort qu'il y a la récompense. Surtout qu'on ne va pas... je vais dire que ça, c'est vrai que ça soulève un problème. Mm-hmm. Parce que quand vous allez au marché, il y a beaucoup de jeunes, des enfants. Ça va ouais. poser les droits des enfants, le travail des aussi. Enfants et tout mm-hmm. le reste. Mais est-ce qu'ils ont le choix? On ne sait pas. Ils n'ont pas vraiment le choix. Parce c'est que ça. Je pense que si, pour beaucoup... Si les parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école, ils sont obligés de se débrouiller et tous ces jeunes-là. Voilà, donc je pense que c'est très difficile. Mais les amis, ne vous découragez pas du tout. Un jour, ça va briller pour vous. Mais en même temps, il paraît que tu as fait des petits jobs toi aussi quand tu étais petit. Bien sûr. Oui. Quoi par exemple? Porteur. Ah, donc en fait, c'était dans ton élément. Je comprends pourquoi il y avait la frustration de revivre ça. En tout cas, merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Ce n'est pas tous les jours que les personnes qui ont atteint un certain niveau l'acceptent. Bravo à toi et puis bravo au petit Gabriel. Il a ressenti peut-être l'émotion, les difficultés que ces jeunes éprouvent au quotidien parce que généralement, on les accuse d'avoir détourné des sacs. Des sacs. Peut-être ou de retirer pas, quelque chose. On leur colle une étiquette peut-être. Mais il y a toujours MG. Parmi, il y a toujours des brebis galeuses. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeunes qui ne sont pas de bonne foi, oui. mais on essaie de les reconsidérer. On oui, ne oui. pense pas que tout le monde ne soit forcément de mauvaise foi. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Il faut faire attention. De les encourager. Parfois, on n'a pas vraiment nécessairement besoin de se faire porter son sac. Mais on peut apprendre à avoir confiance à ces gens-là, les encourager. Mais en même temps, quand on confie son sac à quelqu'un, il faut vérifier. Parce que le message-là s'adresse à Fantastic Mama, qui a vécu ça. Elle a fait ses courses au marché. Elle a donné un porteur. Le temps qu'elle s'est tout, elle cherche le porteur. Le petit était parti, elle avait acheté 10 poulets pour les fêtes. Donc, ce qu'elle a dit elle-même, elle a dit... c'est sûr que le petit va rentrer, il va dire le Seigneur m'a vu. Le Seigneur m'a vu aujourd'hui. Donc même quand il faut faire attention dans tout ce qu'on dans fait. Donc il y a toujours une dent qui malheureusement pourrit pour les autres. Mais les amis, quand vous faites ce métier, soyez sérieux et un jour vous aurez la récompense. Et parlant de récompense, Fabrice a été convoqué pour la première fois, je crois, en 2014 par l'équipe nationale. Qu'est-ce que Fabrice a ressenti? Arrivé chez les grands. Oui. D'une part, le début d'un rêve. Ouais. Le plaisir, parce que tu t'es dit, voilà, enfin c'est arrivé. Mm-hmm. En même temps, il y a aussi de la frustration qui dit, et si ça ne marche pas, si je fais tout foirer, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que là, je pense qu'il n'y a qu'une opportunité dans la vie parfois. Mm-hmm. Et donc, je me suis dit, j'étais content en même temps, j'avais un peu de la peur. Ouais. Il y avait une petite peur de mal faire, ouais. peur de rater, peur d'échouer. Ouais. Mais je pense que, comme l'a dit mon papa, Samuel, qui m'a dit non, tu dois transformer et canaliser cette peur en énergie, du positif. Et tu te dis, bon, cette peur, ok, elle est là, je ne peux pas l'éviter. Ouais. Mais en même temps, tu te dis, ok, cette peur va me... Oui, je dois la surpasser et elle va me permettre d'aller le plus loin possible. Mm-hmm. Ah ça, oui. Ouais.
Il a un moral, alors là, ouais, mental de fer. Hein. Avez-vous un rituel avant d'entrer au stade, un geste, un ouais. signe particulier comme... Toujours, et je remercie toujours le Seigneur de me permettre d'entrer dans ce stade, parce ouais. que de me permettre d'aller livrer cette bataille. Et donc, je fais toujours mon signe de croix pour dire que ne me protège pas seulement à moi, mais protège tous les 22 acteurs qui vont ouais. disputer ce match. Parce qu'après tout, nous sommes. C'est vrai, là, on va se battre c'est derrière un ballon, mais on reste des frais. Quoi. Mm-hmm. Alors, les amis, si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez déjà raté beaucoup de choses. Mais il nous reste encore, on va entamer la dernière ligne droite. Et si vous voulez nous retrouver ici à l'émission, nous envoyer vos messages, vos suggestions. Pour l'amélioration de ce programme, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook Catapulte et sur le hashtag Catapulte sur Twitter et bien sûr www.mymarbou.com. C'est avec vous que nous pouvons changer, c'est avec vous que nous pouvons avancer. Alors on fait une petite pause. Notre Catapulte sur la page Facebook de Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Le mot public au 93 et vous serez des nôtres. Pour réagir à l'émission, faites-nous parvenir vos messages en envoyant REAC, REAC, suivi de votre message ou réaction au 81 93. Welcome to the quiz. Tu veux être le gagnant de ce splendide t-shirt du Catapulte? Facile! Il te suffit de répondre à la question suivante. Quel est le véritable nom de notre invité de ce soir? Envoie par SMS au 81 93 KTP1 pour Fabo Ondam, KTP2 pour Fabrice Ondois et KTP3 pour Patrice Ovuma. Bravo aux précédents gagnants. Merci et à très bientôt. What is the new black? The new black is rich and creamy, with a distinctive taste that is an unexpected pleasure. There is only one milk stout. Castle Milk Stout. It is the new black. Serve dans 1000 minutes. MJ, plus en haut. Bono. Et c'était pour venir à la fin de l'émission. On lance là. Allez, 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 allez. C'était bon jusqu'à. En plus, ça ne collait même pas. Réalo, on lance. Pardon, pardon, pardon. C'est ça, notre secret. Rada. Honda, spaghetti pur, semoule de blé dur, la qualité et le goût en 8 minutes seulement. Negra está aquí con nosotros. Pardon. La pantera
manger la croix de la dépouille. Yo hablo espagnol. Si, si. What does it mean? What does it mean? Thank you very much. Donc, nous sommes toujours avec la panthère noire pour ceux qui n'ont pas compris mon espagnol. Et nous déroulons sa vie, son expérience qui, bien qu'il soit jeune, je vous assure, madame, monsieur, on se régale. Il a déjà beaucoup d'expérience et beaucoup de maturité. Ah, oui. Écoute, Fabrice, il y a des gens qui ont fait des témoignages qui disent ce qu'ils pensent de toi. C'est un petit qui a de l'avenir. Bon, malgré qu'il faut encore beaucoup travailler, il faut un bon, c'est un bon encadrement. Il pourra encore beaucoup donner. Il a encore beaucoup apprendre. Il a de l'avenir. Bref. Je peux tout simplement demander de travailler, de continuer à travailler. Se mettre au travail. Et l'avenir, vous avez beaucoup de choses. Très bonnes choses. Oui, oui, c'est un des gardiens très talentueux pour le Cameroun de demain. Parce qu'on a connu des grands gardiens au Cameroun. Mais pour ce garçon, vraiment, il ne faudrait pas que le public le frustre. Quand on le laisse travailler, il est très fort. Et puis, dans l'avenir, il doit vraiment nous représenter dans le Cameroun de demain. Franchement, je le donne un coup de soutien qui va de l'avant et qui ne se décourage jamais, qui n'entende jamais ce qu'on parle de lui dans les médias. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais sont toujours comme ça. Si jamais aujourd'hui on commence à perdre, on va toujours parler de lui négativement. Vraiment qu'il prenne courage et puis qu'il va de l'avant. Fabrice Ondoa, you mean the Lion goalkeeper? Yes, actually, it's one of the best that we have now presently. Yes, to us, it's a genius. It's one of the best that we have. So to me, it's the best. To encourage him, I would say, let him work harder. Yes, yes, move forward, you need to work harder. Oui, c'est le gardien des Lions indomptable. Il était parmi le top 5 des gens qui m'ont le plus impressionné quand même dans l'équipe. Donc, et aussi, je le trouve très sexy. Très mignon, je le suis sur Instagram et je lui dis va de l'avant dans tout ce qu'il fait. Oui, oui, je connais pas Fabrice Ondoa particulièrement. Pas mal, c'est un jeune homme qui se bat et qui a l'avenir au sein des Lions Indomptables. Juste un message de courage et qu'il persévère et qu'il continue dans la même lancée. Oui, c'est le jeune gardien, le nouveau gardien de l'équipe nationale du Cameroun, des Lions Indomptables. C'est un jeune gardien qu'on a découvert avec les éliminations de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Moi personnellement, je l'ai découvert à travers les éliminatoires. Je sais qu'il joue au FC Barcelone et au regard des prestations qu'il a fournies avec l'équipe nationale, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Je souhaite franchement qu'il continue dans cette lancée, qu'il reste quelqu'un d'humble parce que sans l'humilité, on ne peut pas atteindre les sommets. Il est jeune. Il est talentueux, il est beau, il est sexy, il est beau, il est tout ça pour un jeune qui n'a que 20 ans. Honnêtement, quand on parle de il devait s'appeler Dieu Donné. Il devait s'appeler Dieu Donné parce qu'on lui a tout donné. De toute façon, on a parlé d'humilité et les Camerounais espèrent beaucoup en lui, Dominique. Oui, tout à fait. On vient de voir de magnifiques témoignages. Mm-hmm. Vraiment, est-ce que Fabrice, avez-vous conscience de l'espoir et de la confiance que tous les Camerounais mettent en vous? Je crois que oui, nous sommes vraiment conscients de cela. Très bien, bravo. En parlant justement de profession, qu'est-ce que Fabrice pense faire pour améliorer le football masculin, tant masculin que féminin au Cameroun? Je pense c'est tous que tous les jeunes. Hein. Ah ouais, je pense déjà à mon petit niveau, je ne peux que les encourager et quand j'ai bien du temps, aller jouer avec eux, partager ce moment avec eux et leur montrer que ce n'est pas que dans des grands, des beaux stades qu'on devient quelqu'un. Non, on a tous commencé là et on peut toujours revenir là. C'est pour ça que à chaque fois que je suis au Cameroun, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, parce que j'ai grandi dans les deux villes, ou ailleurs à Bamenda où j'ai aussi des amis, j'y vais, si quelqu'un me dit, voilà mon gars, j'ai un petit match, j'ai une petite santé, comme on dit ici, j'ai une petite santé, tu viens, je dis mon gars. Tu donnes de ta personne. Je suis partant. Et c'est pas généralement parce qu'il y a d'autres personnes qui comprennent mal le message. Oui. Et parce que dernièrement, je suis allé jouer et comme on dit toujours, il y a toujours des personnes
qui négativent les choses, qui disent c'est leur problème, vraiment, on ne les gère pas. Les gens qui veulent nous tirer vers le bas là, on ne vous gère pas, nous on avance. Voilà, c'est pas devant la vie. Pourquoi il vient ici, je ne sais pas, il veut se prendre la tête, il veut se montrer qu'il est là. Donc je profite pour répondre, pour lui dire non, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour se montrer. Déjà, je n'aime pas me montrer. Oui. Ça, c'est la première des choses. Je n'aime pas me montrer, je n'aime pas me faire voir. Mais si j'ai l'occasion de partager un moment unique, parce que derrière un ballon, c'est un moment unique pour moi à chaque fois, avec des frères. Je le fais toujours sans hésiter. Voilà, au lieu de commencer à dire qu'il vient se montrer, profite de lui, mon ami. Profite, demande-lui des conseils, demande-lui comment il a fait. Au lieu de commencer, ah, c'est tiré. C'est ça. En vrai, c'est bizarre parce que s'il avait refusé, on aura encore dit qu'il n'est pas venu, on se prend la tête et tout ça. Non, quand vous avez l'occasion d'avoir devant vous quelqu'un qui a travaillé pour atteindre un certain niveau, profitez-en, abreuvez-vous, comme on est en train de faire là tout à l'heure. Clap for me, please. Please. Elle annonce sa question en français. Donc, Queen est obligée de poser au moins une question en français. Dominique, Renaud et MG au moins une question en anglais. Donc, s'il te plaît, ne sois pas surpris. Voilà. Go ahead, Queen. Forgive me, I have to read. Party en Europe. Même en lisant, Queen. Party en Europe est-elle la seule alternative pour être footballeur? Parti en Europe est-elle la seule alternative pour réussir une carrière de footballeur? Parti en Europe, si j'ai compris, parti en Europe était la seule alternative. C'était alternative, je m'excuse. Pour réussir une carrière de footballeur. Non, je pense que non. C'est pas toujours ça. Parce que quand moi je regarde encore l'histoire des Lions, quand je regarde toujours les CD où je lis des livres sur eux, très peu étaient professionnels, ceux de 90. Oui. Ils n'étaient pas professionnels. Oui, tout ils à ont fait. Fait quelque chose de légendaire. Je pense qu'aujourd'hui encore, même à l'équipe nationale, on retrouve encore des amateurs avec un talent qui sont très extraordinaire, très bons. Qui ne sont pas trop différents des professionnels. Non, je pense que on ne doit pas toujours avoir cette mentalité en tête de dire qu'il faut aller en Europe pour réussir. Non, ce n'est pas toujours ça. Et déjà, je pense que quand j'étais tout petit, il y avait Coton Sport qui jouait une finale de Champions League africaine contre Alani, je crois. Vous vous rendez compte, c'était quelque chose de grand. Et c'est la seule chose qu'on peut demander à notre cher pays. De remonter le plus haut possible notre football pour qu'on puisse avoir pour qu'on puisse avoir vraiment une équipe nationale et pourquoi pas remplie d'amateurs de professionnels qui peut-être si un professionnel est blessé qu'un amateur puisse jouer au même niveau exactement je pense que Dieu t'entende là c'est pas, ça c'est pourquoi ça va voyager Fabrice tell us what kind of advice can you give to the young generation That will to be like that. Renaud, tu as écrit la question là avant. Bien sûr. What kind of advice? Les conseils. Juste que. En tout cas, c'est la saison 3. Vous avez compris que l'équipe a évolué. C'est ça. Oui. Déjà, un coup de chapeau. Là, c'est un coup de chapeau parce que c'est pas facile. Moi, j'ai pas eu cette souffrance. Oui. Déjà, j'ai pas eu cette souffrance parce que Samuel m'a permis de quitter la maison un peu très tôt, étant petit, et il m'a directement mis dans des conditions incroyables qui ne sont pas différentes de celles de l'Europe. Mais quand je vois mes amis aujourd'hui qui essayent de faire pareil et qui, après l'entraînement, doivent encore chercher la récupération, ce qu'ils vont manger et tout. Manger le tapioca. Donc moi, je leur dis, les gars, vous êtes des champions. Oui. Vous êtes des champions parce que c'est pas évident. Les conseils que je peux juste leur donner, c'est de ne pas baisser les bras. De continuer à travailler comme ça et un jour ça va aussi briller pour eux. Ça c'est clair. Mais écoute, on a des personnes qui te sont très proches qui nous ont fait des confidences ou qui ont des messages pour toi. Donc on t'invite à regarder ces messages et juste après on va se retrouver. C'est une séquence émotion. Tu veux bien, Fabrice. Allez, on regarde ce petit témoignage très touchant et on se retrouve après. Salut mon petit. On a toujours eu à poser. Aujourd'hui, je te parle encore, mais tu n'es pas face à moi.
Mais je sais que tu vas entendre et tu vas voir ce que j'ai envie de te dire. Tu vas suivre ce que j'ai envie de te dire. Je te dirai que tu es déjà arrivé. Mais tu n'es pas encore arrivé parce que tu n'as pas encore atteint le sommet. Le sommet de l'Himalaya, comme on le dit souvent, il est souvent difficile de l'atteindre. Aujourd'hui, tu es le porte-étendard d'une jeunesse camerounaise. Une jeunesse des groupes, plus particulièrement celle de Kaka, Kaka Family, qui t'a vu grandir, qui t'a vu faire tes premiers pas. Aujourd'hui, en tant que gardien des Lions, en tant qu'international camerounais, tout ce qu'on peut te demander, c'est le travail et le travail. Plus d'abnégation, plus de courage, de concentration dans le travail. Nous, ta famille, on ne peut que souhaiter ton succès, ton bonheur. Tu t'en fais quand tu étais plus jeune. Tu ne l'avais ni assiette ni mamie. Tout ça pour aller jouer au ballon. Tu as même sacrifié l'argent de pension. Tout ça pour acheter les godasses. Et par la grâce de Dieu, il a vu ce que tu avais vraiment envie de faire et te l'a accordé. Tout ce petit Dieu présentement, travail, va de l'avant. Toujours une tête haute pour pouvoir avancer. Travaille, travaille, donne le meilleur de toi. Et n'oublie jamais, jamais que tu auras des gens pour te soutenir, ta famille. Petit, je suis un oncle comblé. Tout ce que je vais te demander, c'est que, petit, là où tu es là, moi je dirais que tu n'es pas encore arrivé. Tu es bien jeune. Tu as encore tout ton temps. Oui, certes, tu es le gardien des Lions aujourd'hui, mais je dis, par rapport à ce que tu vas donner comme effort, ton travail, je dis que tu seras au sommet comme les autres. Pourquoi ne pas parler de toi comme on parle de Buffon? Pourquoi ne pas parler de toi comme on parle de Casillas? Mon petit, je te dirais, continue à bosser car c'est le travail qui paye. Ça, je suis content pour toi. Parce que Dieu a permis que tu pratiques le football que tu aimes. Mais tu as encore un long parcours à faire. Tu n'es qu'au début. Je t'ai toujours conseillé qu'à chaque main, donne le meilleur de toi-même. Je voudrais te rappeler une chose. N'oublie pas ta famille. N'abandonne pas ta famille. Parce que c'est elle qui te soutient. Elle est prioritaire. Je voudrais te dire que comme tu n'es qu'au début de ta carrière, redouble d'ardeur au travail. Multiplie tes efforts pour que tu réussisses. Ok. Pourquoi mes assiettes sont encore sales? Faou, il oublie qu'il doit laver mes assiettes. Quel est cet enfant qui passe tout son temps à jouer au football? Ta mère t'aime beaucoup. Ta famille t'aime beaucoup. Ces personnes te soutiennent. Ce sont des images amateurs, ça a été fait avec un téléphone, avec la complicité de Georges Ayinda, qu'on remercie, qui nous a permis d'avoir ces images et ces témoignages très très touchants de tes proches. On a vu ta mère, on a vu ta soeur, on a vu tes oncles. Qu'est-ce que ça te fait? Chaud au cœur. Parce que je me souviens de ce que Vanessa, ma petite sœur, dit. C'était en 2005, quand je devais aller jouer la finale du Festieto. Alors, maman s'est placée devant moi. Elle devait payer ma pension. Je pense que j'étais au coût moins 1 ou au coût moins 2, quelque chose comme ça. Elle devait payer ma pension. Elle m'a dit, tu veux quoi, que je t'achète la godasse ou que je paye ta pension? Je lui ai dit, mais ça c'est quelle question? Tu dois m'acheter la godasse parce que je vais chez la finale. Et donc c'est pour ça qu'elle me fait toujours cette blague que tu as sacrifié
l'argent des études pour le foot. Mmh. Et vraiment leur remercier parce qu'ils sont là. Ils sont restés dans l'ombre. Parce que déjà, nous sommes une famille assez humble. Ils ne se montrent pas, ils se montrent pas beaucoup, ils ne se montrent pas trop. Ils préfèrent laisser de côté, aux connaisseurs, comme on le dit. Mm-hmm. Ils laissent le travail à ceux qui doivent le faire et ils ne restent qu'à leur place. Ils attendent quand je suis à eux, quand je suis en famille. Et là, je reste vraiment en famille. Il n'y a pas aussi ceux qui connaissent le travail, ceux qui travaillent pour moi. Reste au bureau, reste au travail quand je suis en famille. Ouais. Et quand je suis avec ceux qui travaillent, la famille reste aussi. Mm-hmm. Donc, c'est comme bien ça organisé. Que... Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours derrière moi. Jamais vous n'allez les voir, c'est très difficile. En tout cas, c'est bien. Mais pourtant, ils sont là. Et vraiment, des commentaires comme ça, ça me galvanise de plus. On t'a vu très ému pendant que ça passait. Tout ce que nous souhaite, c'est que vraiment que tu ailles de l'avant et que tu sois plus fort et que tu continues dans l'esprit. On n'a plus rien à t'apprendre. Apparemment, tu sais exactement ce que tu veux. Et ton humilité vraiment nous touche. Mais écoute, on t'adore. On aime beaucoup ce que tu fais. On sait que tu as encore beaucoup de boulot. Mais pour nous, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es un modèle. Et c'est bien pour ça que tu es ici aujourd'hui. Parce qu'il fallait qu'on montre à ces jeunes que c'est possible de réussir en commençant au Cameroun. Et même en réussissant au niveau du Cameroun. Et ce n'est que le travail qui en est le secret. Mais tu n'es pas au-dessus de la loi, mon cher petit. Tu vas passer à la barre. Tu vas répondre aux questions qui te seront posées. Mais ce sera juste après ce jingle. Nous sommes déjà à la barre, donc on est à la dernière ligne. On est à 5,50 m. On risque de marquer des buts ici, là. Alors, Fabrice va passer à la barre. Je t'explique juste le principe. Tu vas écouter une voix qui va te lire tes droits. C'est que nous, on ne condamne pas les gens ici. Nous, on respecte la loi. Elle va te lire tes droits, Mr. Vibes. Ensuite, tu choisiras un avocat dans le public qui va te défendre. Et tu choisiras ensuite des numéros, 5 numéros, et les questions te seront posées. Les numéros vont de 1 à 10. Donc, on va demander à Mr. Vibes de nous lire les droits de la Pantera Negra ce soir. Mr. Vibes, please. Vous n'avez pas le droit de garder le silence. De tout ce que vous direz pendant votre interrogatoire, rien ne pourra et ne sera retenu contre vous par les catapultiens. Vous avez droit à un avocat choisi parmi le public ici présent, auquel vous êtes obligé de faire appel au moins une fois. Si vous n'en choisissez pas un dans les 5 secondes, il vous en sera commis un d'office à vos risques et périls. La sentence finale sera prononcée par le public à la fin de votre interrogatoire. Vous serez alors soit catapulté, soit condamné. Comprenez-vous ces droits? Si oui, faites le geste que vous voulez et dites « Je catapulte ». Alors, 5 secondes pour choisir ton avocat, Fabrice. Le décompte. 5. Mon frère, Ankolé Afrique. Ah! Mais on dirait un pasteur ou un prêtre que tu as choisi là. Alors, juste le temps que l'avocat soit paré de tous ses atouts. Et nous, on se retrouve après avec les questions de Fabrice Onoir. Vous saurez comment il faut faire pour nous retrouver ici. Facebook, Twitter, site internet. Allez, on prend ça. Rejoignez la communauté Catapulte sur la page Facebook de Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Welcome to the quiz. Tu veux être le gagnant de ce splendide t-shirt du Catapulte? Facile! Il te suffit de répondre à la question suivante. Quel est le véritable nom de notre invité de ce soir? Envoie par SMS au 8193 KTP1 pour Fabo Ondam, KTP2 pour Fabrice Ondois et KTP3 pour Patrice Ovuma. Bravo aux précédents gagnants, merci et à très bientôt. Fabrice a choisi son avocat, ça ne va pas être facile de défendre
Un gars qui lui-même attrape très les ballons. Hein. C'est maître qui? Maître Yann. Ouais. Très bien. Ça va être facile. C'est une responsabilité hein, de défendre quelqu'un d'aussi responsable. On va essayer d'assurer. D'accord. Très bien. Premier numéro, Fabrice. Mon père, le 9. Le 9, waouh ouais. Ah, ça m'aurait étonné. Le 9, MG. Si vous trouvez la réponse à la question qui va suivre, vous choisissez deux présentateurs qui resteront en équilibre. Le cas contraire, vous ferez 10 pompes. C'est le principe. Voici la question. 16 moins 6 plus 2 divisé par 3 moins plus 5. 9. Oh. Alors, Fabrice a trouvé le 9. Forcément, il a choisi le 9 et la réponse était le 9. On croyait qu'il a déjà fait exprès. Alors, Fabrice, tu as donc le choix. Tu choisis deux présentateurs qui vont rester jusqu'à la fin de l'émission en équilibre, debout, comme ça. Claire. Mais je peux l'aider. Non. Comme ça, jusqu'à la fin de l'émission. On est avec un sportif. Ceux qui sont en face. Dominique et Renaud, vous restez en équilibre jusqu'à la fin de l'émission. Pourquoi vous ne trichez pas? Oui, ok. Il faut surveiller. Surveillez bien. Voilà. Après le 9, prochain numéro. Le 1. Le 1. Lis. Non, si tu peux lire ta question. On va te porter plainte. Si on vous gifle dans la rue, comment réagir? Un fou. Je m'en vais. Ah bon? Oui. Oui. Ou lui, ah, de mais on a dit que j'ai une question de claque ici, tu donnes l'autre jour et puis tu... Mais c'est vrai qu'il y en a qui ne vont pas laisser hein, Fabrice. Parce qu'ils vont se dire que... Parce que les gens disent souvent ce qu'ils pensent à un certain nombre de choses. Si un fou te gifle, si tu ne rends pas toi-même, tu deviens fou. C'est ce que les gens pensent souvent. Et aussi, il y a des fous qui, à chaque fois, ils se rendent compte que personne ne réplique. Ça devient son habitude. Donc peut-être en répliquant, c'est qu'il va arrêter. Non, en fait, il ne va pas arrêter. Quand il te voit, s'il était comme ça, il se rend compte que c'est toi, il fait ça. Et puis, il va gifler quelqu'un d'autre. Après le 1. Le 3, Nico. Le 3. Oui. Si un supporter de vos insultes. De. Fais voir. Queen, donne à Dominique. Parce que. Si un supporter déçu vous insulte et verse l'eau, quelle sera votre réaction? Un supporter qui est déçu. Je lui dis merci. Bien. Ouais. Merci. Ouais. Et pourquoi merci? Parce que il n'est pas faux. Oui. Il se sent déçu. Il est déçu. Oui. Il est choqué. Et le merci que je lui dis, c'est de m'avoir réveillé. Et je dois encore travailler plus pour ne pas le décevoir. Bravo. Prochain numéro. On peut changer de pied. Non. Please, Fabrice. Non. Ce n'est pas Fabrice. Non. C'est la punition. Prochain change de pied, il n'y a pas de problème. Le 4. Le 4. Excuse me. Une femme connaissant votre statut de footballeur vous a-t-elle déjà dit non? Est-ce qu'une fille qui sait que tu es, c'est toi Fabrice, enfin tu as fait la cour, elle a dit non quoi. Il ne faut pas poser des questions comme ça. Hein. Il a 20 ans. Oh. Il a 20 ans. Oui. Oui, ah bon? Est-ce que si tu viens, elle, tu connaît que... quoi? Elle te connaît quoi? Bien. Elle a dit non. Elle voulait quoi? En fait, c'est ma fiancée à l'heure actuelle. Ah, ok. Wow. Donc, il y a la fiancée. Déjà. À 20 ans, mon frère. Hé, hey, mais, non, de toute façon, j'ai un message pour la fiancée. Petite sœur, Loukotte. Parce que nous, on a besoin de lui. Donc, si jamais, ce n'est pas mauvais qu'il soit responsable et qu'il se marie. Ce n'est pas une mauvaise chose. Moi aussi, j'ai un message. Parce que les jeunes, quand on est, plus on est jeune, plus on a tendance à peut-être se laisser manipuler. Il faudrait que la maman de Fabrice mange la main de Fabrice jusqu'à ce que. Non, avant que la femme qui va s'installer là. Non, c'est vrai, parce que la maman souffert pour lui. Là, moi, je suis très sérieuse. Oui. Il faudrait qu'elle mange jusqu'à.
Donc, elle tout. Avant qu'elle dise qu'ok, ma fille, elle va se faire. De toutes les façons, nous, on va la surveiller. On l'a à l'œil. Donc, de toutes les façons, on vous souhaite bonne chance. Prochain numéro. Le 6. Si on met en face de vous une femme qui vous plaît et une paire de gants de l'or, que choisissez-vous? Une paire de gants de l'or. Mais, si donc, ça veut dire que si maintenant on met ta fiancée là, on met les gants, on met l'argent, tu choisis quoi? Je vais prendre les gants parce que ce sont les gants qui vont me donner l'argent et qui me permettront de maintenir la fiancée. Parce que entre temps, tu vois, tu continues avec les gants. La go peut go. Mais nous, on a toujours. Et nous, on a toujours. Dernier numéro. Le 10. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait la cour à une fille? Objection. Objection, maître, pourquoi? Parce que sa fiancée ne. C'est quelque chose de confidentiel. Oui. Sa fiancée pourrait se fâcher si... Si jamais... Si la dernière fois qu'il a dragué une femme, Bon, maître dit objection parce que la fiancée pourrait se fâcher si elle apprend qu'il a dragué une femme et tout ça. Et qu'est-ce que le public décide? Objection? Rejetée. Donc il faut répondre. 3 ans. Trois ans. C'est elle. C'était elle. C'est là. Oui. Bon, maintenant, voilà. C'était elle. Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Bon, pourquoi tu ne racontes pas trop, Pourquoi tu ne racontes pas trop? Prends une fille ici, là, comme ça, on refait la reconstitution des faits. Choisis une fille. Choisis une fille. N'importe quelle fille? Non. Choisis celle qui tend un peu vers elle. Pourquoi on voit quand même la tendance? Je prends MJ. Non. Je ne suis pas une fille facile. Non. C'est ça. Bon, une fille dans le public. Elle est déjà à Barcelone, une fille dans le public. Bon, à lunettes. À lunettes. Donc, non. Place-toi. Non, c'est pas la vraie drague. Place-toi. Si. Elle est déjà mariée. Oui. Donc, on t'écoute. Ok, en fait. Ça s'est passé comment alors? Tu es venu vers elle, tu lui as dit quoi? C'est comme si c'est elle, non, mais... On est. Is that how you were sitting? Is that how you were sitting? Je m'attendais à ça. Il n'y avait pas les gens. Non, vous n'étiez que deux. C'était où? C'était tranquille. En fait, on était d'abord des amis. C'est par là que ça a commencé. Oui, wow. Alors, comme si vous êtes d'abord les amis, non? Bon, le jour où tu... C'est toi qui as dit ou c'est elle qui a dit? Non, c'est moi. C'est toi? Ouais. Bon, d'accord. Le jour où tu as alors dit, vous étiez où? Dis quoi d'abord? Le jour où tu as fait la Le jour où tu es parti de l'amitié, tu as fait le bon. Vous étiez où? On était à Douala. À Douala? Oui. Tu étais dans un restaurant, dans la rue ou bien... Tu étais allé lancer le caillou sur la toiture. Dans un garden. C'était? Dans un restaurant. Dans un restaurant. Les choses de la télé. Est-ce que on va considérer que c'est le restaurant ici? Oui. D'accord. Elle est où la fille? Viens au restaurant. Viens au restaurant ici là. Fabrice, tu viens au restaurant. Bon, moi, je suis seulement la personne qui sert. Je suis la serveuse. Non, tu aimes pas servir. Donc, on est au restaurant. Causer. Mon avocat, c'est mon avocat. Je venais servir. Non. Vous avez demandé.
bon appétit. Tu ne dois pas trahir ses secrets. Non, avocat, hein? Tu ne fais pas la tasse. Laisse avocat, oui. Tu ne dois pas trahir ses secrets. Oui, mais tu ne dois pas. Non, suivez, il n'y a pas de problème. Suivez la conversation. Non, ok, je préfère que c'est elle qui reste avec ses 7 paroles. Ces paroles-là pour elle seule, c'est tout. Ah bon? Ouais. Hey. C'est sage. Ça, c'est un cerveau. Il préfère garder ses paroles pour elle parce qu'il n'y a qu'à elle qui l'a prononcé ces paroles-là. Si tous les gars-là pouvaient être comme ça, hein? Ça va? On se bat. Bon, attendez, vous allez remettre ça à la pause. Donc, Fabrice a répondu aux questions. On va savoir s'il a bien répondu. Donc, sera-t-il catapulté ou condamné? C'est le public qui va décider juste après cette pause. Et pendant la pause, Dominique et Renaud vont s'asseoir. Rejoignez la communauté Catapult sur la page Facebook de Catapult. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapult. Welcome to the quiz. Tu veux être le regagnant de ce splendide t-shirt du Catapult? Facile! Il te suffit de répondre à la question suivante. Quel est le véritable nom de notre invité de ce soir? Envoie par SMS au 8193 KTP1 pour Fabo Ondam, KTP2 pour Fabrice Ondoa et KTP3 pour Patrice Ovuma. Bravo aux précédents gagnants, merci et à très bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, madame, messieurs. On va savoir si Fabrice a été catapulté ou condamné. C'est le public qui décide. C'est la nouvelle saison, saison 3. Donc, ça va faire 3 années que nous partageons ensemble ces moments magnifiques. Public, est-ce que Fabrice a été catapulté ou condamné? À vous, public. Catapulté! Ah ouais, il faut féliciter. Non, mais il faut féliciter l'avocat qui n'a pas fait grand-chose. Donc, je vous on va t'inviter ici. Et des confidences qu'on a eues, il paraît que tu aimes... Tu es de la famille de Ebogo. Oui. Ange Ebogo Emeran, c'est ton nom, c'est ton grand-père. Ange Ebogo, c'est le grand-père et tonton Ebogo, c'est l'oncle. Tonton Ebogo. Tonton Ebogo qui a chanté « Ah, maman, oh, maman. » On danse, comment ?« Ah, maman, oh, maman, eh. Maman, Odilia, eh. Ah, maman, oh, maman, eh. Maman, Odilia. » Mais ce n'est pas ce que tu vas faire, parce qu'on nous a dit que tu as une de ces chansons que tu adores, Bidjouga, et on souhaitait, tu sais la chanter ? Un peu. Voilà. Alors, pour faire plaisir à ce public qui t'a catapulté, tu vas nous chanter ça avec la chorégraphie qui va avec. Est-ce que si la régie est avec nous, on peut avoir le son Bidjouga de Ange, pardon, Tonton Ebogo? À chaque fois, toujours la même rengaine. Les femmes se plaignent de toutes nos inconduites. Plus que jamais, changeons nos attitudes. La femme est flair, mérite notre respect. Bidjouga. Un coucou à Marie Albert, une dame de cœur. Fabrice, nous sommes à la fin de l'émission. On te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu as un message à l'endroit des millions de téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui? Oui, déjà, remercier tout le monde. Remercier ma famille, mes amis. Remercier Samuel. Remercier l'émission Marabout Catapulte de m'avoir donné l'opportunité de me faire connaître par les Camerounais, de connaître réellement mon image, ma personnalité, ma vie. Et leur dire merci en général de nous soutenir. Et pour finir, leur dire vraiment, nous allons travailler. Je vais me battre de toutes mes forces pour pouvoir continuer à leur donner ce mérite et ce plaisir. C'est tout ce que je peux faire pour eux. Bravo. Alors, on a sifflé la
fin du match. Oh yes. The match was very exciting, and I want to tell all the spectators, because we have spectators, you know, televiewers, that a dream is like a race. It's not how fast you go, but how far you go in accomplishing it. With resilience, hard work, and determination, you will make it. Just as Fabrice, be humble and stay motivated no matter what. I hope you enjoyed the show. Thank you. Elle hope que vous avez enjoyed the show. En espagnol, on dirait vosotros pensamos que oui, Dominique. Nous avons tous un but dans la vie et des objectifs à atteindre. Parfois, on encaisse des honneurs, on plonge, on se casse la figure. Et même si la vie vous brûle les doigts, ne vous laissez pas faire. Enfilez vos gants et soyez le bon gardien de votre vie, comme Fabrice. Merci. Ah, soyez le bon gardien de votre vie, comme Fabrice, et n'encaissez pas des olores. Nous avons été très, très, très heureux d'être avec vous ce soir. Nous avons pu retenir un petit truc. Dans la vie, il faut travailler pour pouvoir avancer, mais ne pas oublier d'être humble. Parce que quand on est humble, on est apprécié, on s'est fait aimer, et beaucoup de gens prient pour qu'on puisse avancer. Mais quand on n'est pas humble, beaucoup de gens ne nous aiment pas. Donc dans la vie, on travaille. Et on est aussi humble. Là, on va arriver où on veut vraiment arriver. Mm-hmm. Et comme tu le dis toujours... La vie, c'est pas devant. La vie, c'est pas devant. Oui. OK, on va dire encore merci à Fabrice d'avoir été parmi nous. Et comme on dit aussi, l'humilité précède la gloire. Si vous voulez arriver devant, comme Renaud dit, la vie, c'est pas devant, soyez comme Fabrice. Et soyez fashion. Oui, MG. Le parcours de Fabrice me laisse sans voix. J'espère vous d'ailleurs. Parce qu'il ne nous donne pas de rêver à la maison, mais de nous questionner. Questionner notre devenir, questionner notre vie future. Alors Fabrice, tout ce que je te souhaite et ce que les téléspectateurs te souhaitent, c'est d'avoir une belle carrière, pas de blessures et de travailler au quotidien pour pouvoir être toujours aimé par nous tous les Camerounais. Ah oui, ça c'est bien dit. Madame, monsieur, nous sommes définitivement arrivés à la fin de l'émission. Vous avez compris, on l'espère que vous l'avez retenu, que nous avons eu un invité qui est très jeune, mais qui est déjà suffisamment vieux là-dedans. Donc je pense que c'est tout le mal qu'on souhaite à chacun de vous. Ce que nous souhaitons à Fabrice, c'est de rester lui-même comme il le fait déjà et de nous permettre d'être toujours aussi fiers de tous nos lions indomptables. Alors tu transmettras nos messages à tous tes coéquipiers pour leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux. Et quel que soit ce qui arrive, là pour l'instant on sait que ça ne va pas fort, mais nous sommes tous avec eux. Et c'est normal, aucune vie n'est linéaire. On monte, on descend, on monte, on descend. Le plus important, c'est de ne jamais rester vers le bas. Retrouvez cette émission sur www.mymarabou.com et suivez-nous sur Twitter et aussi sur Facebook. Madame, Monsieur, nous sommes très heureux d'avoir démarré cette nouvelle aventure, cette nouvelle saison avec vous. Et on espère de tout cœur vous avoir à la prochaine édition. Envoyez un nouveau message, nous sommes là. Pour ça, nous, on veut simplement améliorer ce programme parce qu'il est le vôtre, on remercie. L'avocat maître qui mérite le salaire qu'il a parce qu'il n'a rien fait. Et on remercie le public qui est venu nombreux ce soir. Merci à tous pour votre présence. Et on se revoit le mois prochain avec un nouvel invité qui fait la fierté du Cameroun, du continent africain et pourquoi pas du monde tout entier. Au revoir à tous et comme on le dit toujours, tomorrow is another day. Bye bye. Partie du public, envoyez public au 81 93. Je m'arrête là pour l'instant.